Hi Suzanne. Elle a son micro fermé. Oh, there we go. Unmute my phone. Bonjour everyone. So nice to see everybody and thank you all for joining us. My name is Susan Thornton and I am the leader of the Cutaneous Lymphoma Foundation, the patient organization dedicated to serving people living with cutaneous lymphomas. And it really is an honor and a pleasure to be here co-hosting with two amazing individuals who have been so wonderful to help us put this together. My colleague and partner, Guy Bouguet, who leads the French Lymphoma Patient Organization, LA, and Professor Martine Bagot and the team of clinicians that you see on the panel that have given up their time this afternoon after sitting through 2.5 days of wonderful clinical and scientific meetings to present to all of you about cutaneous lymphomas and to share their wisdom and their knowledge so that all of you can become more knowledgeable about your disease. So this has been a big effort that has taken us, I think, Professor Bagot, we started discussions over 2 years ago to pull this together. And I wish I could be there, but COVID and travel did not make that possible. But I'm thrilled to be able to kick off this program. And I'm going to turn it over to my wonderful colleague, Guy Bouguet, who will do the honors to translate to. And I know he'll do a good job, and we'll get the meeting started. Thank you, everyone. Thank you for being here. Thanks a lot, Suzanne. Thank you. Donc, je suis donc Guy Bouguet. Je vais donc traduire ce qu'a dit Suzanne Thornton, qui est la présidente de la Fondation pour les lymphomes cutanés qui se trouvent aux États-Unis. Suzanne a travaillé pendant 2 ans et demi avec Martine, professeur Martine Bagot ici présente, pour organiser ce séminaire. Évidemment, Suzanne aurait aimé être là avec nous, mais à cause des restrictions dues à la situation sanitaire, ça n'a pas été possible. Mais Suzanne a été la leader sur l'organisation et les thématiques que nous allons, dont nous allons parler aujourd'hui sur les lymphomes cutanés. Elle tient également à remercier tous les intervenants qui sont ici assis à côté de moi pour leur implication aussi dans ce séminaire. Et voilà, elle nous souhaite un très bon séminaire. Et surtout, je tiens le répéter, n'hésitez pas à poser des questions parce que ce séminaire, c'est le vôtre. Que vous soyez ici présent dans la salle ou en visio d'une manière virtuelle, n'hésitez surtout pas à poser des questions. On est là pour y répondre. J'en profite donc également pour me présenter. Je suis donc Guy Bouguet, le président de nouvellement nommé l'association ELI, Ensemble, Leucémie, Lymphome Espoir. Et je présenterai tout à l'heure en fin de session un petit peu le travail que nous faisons ici en France, à la fois pour les lymphomes cutanés, mais pour je veux dire, toutes les maladies qui s'appellent lymphome. Voilà, maintenant je vais laisser la parole au professeur Martine Bagot pour commencer la session d'éducation. So a lot, Suzanne, thanks for your support, your enthusiasm, and so now we go in French. On continue en français maintenant, c'est pas là. Donc, alors, merci, je voudrais remercier aussi là, tous mes collaborateurs. Là, vous avez des représentants du groupe du réseau français des lymphomes cutanés des différentes régions, qui représentent pratiquement toutes les régions françaises. Et donc, on va vous parler, voilà, on est très, très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour vous parler de ces pathologies de lymphome cutané et puis répondre à vos questions. Voilà, ici, n'hésitez surtout pas à nous solliciter. Alors, pour commencer, on avait, voilà, Guy et Suzanne m'ont demandé de faire un petit rappel sur les bases. Voilà, introduction. Alors, je clique 2 fois et ça doit se mettre en diaporama. Voilà, si ça, bah, c'est bon, c'est bon.
Bon, donc c'est simple, il suffit de cliquer deux fois et de mettre en diaporama. Enfin, bon, alors, rapidement, les bases. Voilà. Alors, les lymphomes cutanés, par définition, vous savez que les lymphomes, ça se voit plutôt au niveau des ganglions. Tout le monde connaît bien les lymphomes ganglionnaires, c'est assez fréquent. Il y a différents types de lymphomes ganglionnaires qui sont plus ou moins évolutifs. Là, ici, nous, on parle, on s'adresse à des lymphomes cutanés, c'est-à-dire des lymphomes qui se voient au niveau de la peau. Alors, vous avez sûrement, les lymphomes, c'est souvent au niveau des ganglions, mais ça peut se voir au niveau d'autres organes, au niveau du type digestif, au niveau de la peau. Et vous avez sûrement entendu parler de lymphome B, de lymphome T. Non, pas vraiment. Alors, il y a deux grandes catégories. Les lymphomes qui se développent à partir de lymphocytes T, c'est une majorité des lymphomes cutanés. Et puis, il y a une minorité de lymphomes cutanés qui se développent au niveau des lymphocytes B. Donc, on va vous parler de ça. Et il y a une classification très compliquée. Voilà. Et vous voyez que les lymphomes, ça c'est un travail qu'on a fait dans le groupe dont je vais vous parler sur la répartition des différents types de lymphomes. Ce qu'il faut voir, c'est qu'en bleu, vous avez ce qu'on appelle le mycosis fungoïde et ses variantes, dont vous parlera Caroline. C'est le lymphome les plus fréquents. Et puis, il y a le syndrome de Sézary qui est beaucoup plus rare, mais qu'il faut connaître, dont vous parlera Gaëlle. Après, le deuxième grand groupe, c'est les lymphoproliférations CD30, dont vous parlera Marie. Et puis, les lymphomes B. Alors voilà cette classification que nous, on connaît, mais qui est très compliquée. Voilà, vous voyez les grands groupes, hein, mycosis fungoïde et ses variantes, syndrome de Sézary et puis les proliférations CD30. On va y revenir. Donc, juste pour introduire le sujet, un mycosis, ça se présente comme ça, des patchs et des plaques, vous le savez, sur des zones qui ne sont pas exposées au soleil. Et il y a une minorité de patients qui peuvent être plus évolutifs. La majorité des patients restent au stade purement cutané. Pour faire le diagnostic, il faut faire une biopsie cutanée, ça vous le savez, avec des immunomarquages. Et l'évolution, voilà, se produit sur des décennies. Et là, beaucoup, beaucoup, beaucoup de patients vont rester au stade tout à fait débutant. Il y a des mycosis fungoïdes qui touchent plutôt les poils. Caroline va vous en parler aussi, qui sont de plus en plus connus, qui peuvent être souvent très, très bénignes et évoluer très, très peu. Ou d'autres qui touchent les plantes des pieds. Et puis, Gaëlle vous parlera de ce qu'on appelle le syndrome de Sézary, dont le diagnostic peut être très difficile, parce que vous voyez que beaucoup de maladies dermatologiques peuvent ressembler au syndrome de Sézary. Ça peut être des dermatites atopiques, des psoriasis, des toxidermies, certains Sézary qui ne se voient pas. Et donc, le message de ma présentation, voilà, c'est que, en matière de lymphome T cutané, il faut faire des examens qui ne sont réalisés que dans les centres experts de référence. Il faut faire des biopsies cutanées qui sont lues par des pathologistes qui ont l'habitude, avec des immunomarquages. Il faut faire ce qu'on appelle des recherches de clones. Il faut faire de la cytométrie de flux. Ça ne se fait pas n'importe où. Donc, si votre médecin pense que vous avez un lymphome cutané, il faut vraiment que vous soyez adressé à un centre de référence. Et on verra qu'il y a un maillage de tout le territoire en centre de référence. Donc, il faut vraiment que vous ayez accès à un centre de référence. C'est prévu par le plan cancer et c'est très très important. Il faut vraiment que votre médecin généraliste au départ, ensuite les dermatologues libéraux, vous adressent au centre expert qui est le plus proche de votre domicile et c'est ce centre expert qui pourra faire le bon diagnostic et vous donner le traitement le plus adapté. Alors, il y a d'autres types dont vous parlera Marie, qui donc la proliférative prostate 30, ça comprend la papulose lymphomatoïde ou des lymphomes T anaplasiques à grandes cellules et des sous-types plus rares. Et puis, Florent vous parlera des lymphomes B cutanés, qui sont une minorité. Et là aussi, vous voyez qu'il y a différents, beaucoup de ces lymphomes évoluent très, très lentement. Et là aussi, il faut des pathologistes experts et des examens spécialisés, immunomarquage, biologie moléculaire. Donc, les messages à retenir, c'est que les lymphomes cutanés, c'est des pathologies rares. Il y a de très nombreux sous-types. Donc, c'est vraiment un problème de spécialistes. La plupart des cas ont une évolution indolente. On a une majorité de cas qui sont pas du tout, qui nécessitent pas des traitements agressifs. Et donc, il faut vraiment que vous ayez les traitements les plus adaptés. Et pour avoir le traitement le plus adapté, surtout pas des traitements trop agressifs, il faut s'adresser à un des centres de référence. Et il en existe sur tout le territoire. Il peut y avoir des traitements, vous entendrez parler des traitements qui sont soit au niveau de la peau locaux, soit des traitements plus systémiques. Et les traitements non agressifs sont en général privilégiés. Voilà, parce que quand on voit des patients qui nous sont adressés pour un mycosis fungoïde, souvent ils ont très très peur, ils pensent que voilà qu'ils vont avoir une maladie agressive. Et nous, très souvent, on les rassure, puisque dans l'immense majorité des cas, on a des patients qui vont avoir une maladie très très chronique, mais qui ne vont pas avoir un traitement agressif. Donc c'est vraiment très important de savoir ça. Et ça va vous être détaillé dans les présentations suivantes.
Alors, juste, moi, j'ai une deuxième petite présentation rapide sur les réseaux. Oups. Alors, ce qui vous intéresse le plus, c'est le réseau français, bien sûr. Donc, je vais vous parler surtout du réseau français, un peu plus rapidement des réseaux européens. Donc, le réseau français, c'est le GFELC, le groupe français d'études des lymphomes cutanés. Donc, on est tous des représentants. Donc, ce GFELC, il a un site Internet. Donc, je vous invite à aller sur le site Internet pour avoir des informations. Vous pouvez avoir plein d'informations sur le site Internet du GFELC. Vous voyez qu'on en est à 18 160 cas inclus, enregistrés, alors que c'est une maladie rare. Donc, vous voyez que c'est quand même les experts de ce réseau ont une grande expérience en matière de lymphome cutané. C'est notre mission. On est labellisé par l'INCa pour ça, pour donner des avis, pour donner des avis sur la clinique, relire les lames. Voilà, c'est vraiment la mission que donne l'INCa à ce réseau. Donc, vous voyez ici, sur le site, les centres dans toute la France. Vous voyez que toute la France est couverte. Hein, donc, il n'y a pas besoin d'aller loin pour avoir un centre expert près de chez vous. Il faut juste avoir l'information. Sur ce site, vous avez une liste des essais et des protocoles. Parfois, c'est intéressant de savoir quels sont les essais en cours, qu'est-ce qu'on pourrait éventuellement vous proposer. Vous avez de l'information sur ces essais. Vous avez aussi de la bibliographie. Et puis, il y a une information qui est dédiée spécialement à vous, qui a été faite par M. Guy Bouguet, à l'association France Lymphome Espoir, qui est vraiment des textes ou une information qui a été faite spécialement pour vous expliquer ce que sont les différents types de lymphome cutané. Et donc, vous avez cette information sur le site qui a été réalisée par l'association de patients. Alors, très rapidement, qu'est-ce qu'il existe au niveau européen? Donc, on fait partie aussi d'un réseau européen qui s'appelle EuroBloodNet. Et le but, c'est de donner aussi un service au niveau européen. Nous, on n'en a pas trop besoin parce qu'en France, on a un réseau français qui est très performant, très bien organisé. Ce réseau, il est surtout fait pour les pays européens qui n'ont pas la chance d'avoir un réseau comme ça. Il y a des pays comme les pays baltes, par exemple, ou la Bulgarie, l'Albanie, qui ont du mal à trouver des spécialistes des lymphomes. Et donc, nous tous, on est quand même impliqués dans ces réseaux européens pour aider, par solidarité, pour donner aussi des avis. Et voyez que, par exemple, ce réseau EuroBloodNet, il a fait des sessions pour informer les médecins, pour que les gens connaissent mieux les lymphomes cutanés, parce que ce n'est pas bien connu. Vous voyez qu'on arrive quand même, on a fait quand même 8 sessions d'information sur les différents sous-types de lymphomes, mais il y a peu de gens qui connaissent bien ça. Donc voilà, là, c'est des experts européens, certains français, mais certains européens. Et vous voyez que ça a donné lieu à beaucoup de connexions. Les gens se sont connectés pour assister à ces webinaires. Et vous voyez qu'il n'y a pas que des dermatologues, il y a aussi des hématologues, des oncologistes, des pathologistes. Des gens, vous voyez, beaucoup sont jeunes. Donc, ça forme aussi les dermatologues de demain, où c'est important de former l'ensemble des personnes à cette pathologie des lymphomes cutanés. Et voyez que là, ça couvre aussi non seulement... Alors, pourquoi l'Espagne est très impliquée? Parce que EuroBloodNet est très, très implantée en Espagne. Mais vous voyez qu'il y a aussi des gens qui se sont connectés des États-Unis, d'Amérique du Sud, des pays du Golfe. Donc voilà, c'est le réseau français fait partie aussi d'un rayonnement européen. Et puis cette année, on a fait avec les associations de patients, avec Suzanne, avec Guy, des vidéos destinées aux associations de patients, justement pour informer les associations de patients. Et donc, vous voyez, alors c'est en anglais, c'est sûr qu'il faut, comprendre l'anglais. Vous avez ici le programme qui est encore en cours et qui a été fait là aussi par à la fois un médecin spécialiste des lymphomes et à chaque fois un partenaire européen, différents des associations de patients des différents pays. Voilà, et donc ça, c'est la satisfaction. Et tous ces webinaires, aussi bien ceux destinés aux patients qu'aux médecins, sont sur YouTube Channel et EuroBloodNet Edu. Donc, ils sont accessibles. Après, bien, si vous ne pouvez pas assister, vous pouvez quand même les retrouver sur le site. Voilà, donc maintenant, on va passer dans le vif du sujet. Et je pense que c'est Caroline qui va commencer. Voilà. Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie rapidement? Non. À tout à l'heure. Voilà. Bonjour à tous. Oui, donc je suis Caroline Ramwolf. Je suis praticienne hospitalière à l'hôpital Saint-Louis dans le service de dermatologie. Donc, je vais vous parler du mycosis fongoïde.
Voilà, donc déjà un petit rappel sur qu'est-ce qu'un lymphome cutané, on a déjà un petit peu parlé, mais alors un lymphome, ça survient quand un lymphocyte B ou T, ces lymphocytes, c'est des globules blancs hein, qui circulent dans le sang et qui mutent, qui deviennent ce qu'on appelle clonaux et qui se multiplient de façon un petit peu incontrôlée, entre guillemets. Donc on a des lymphomes B ou des lymphomes T. Et contrairement à la plupart des autres types de lymphomes qui débutent souvent dans les ganglions lymphatiques, les lymphomes cutanés se développent principalement dans la peau. Et même si elle n'est pas généralement considérée comme un organe du système lymphatique, la peau, vous voyez, ça constitue un organe, enfin une large surface d'interaction entre le corps humain et l'environnement. Et donc, c'est un organe clé dans les défenses de l'organisme. Et il y a des milliards de lymphocytes qui se déplacent en permanence vers la peau et y résident pour des durées variables. Et quand un de ces lymphocytes mute, il va croître de manière incontrôlée. Ça peut donner naissance à un lymphome cutané. Donc, les lymphomes T cutanés sont plus importants que les lymphomes B cutanés. Et donc, il y a à peu près 600 nouveaux cas de lymphome cutané par an en France. C'est un diagnostic qu'on évoque cliniquement et qu'on confirme toujours avec une biopsie. Et comme on disait tout à l'heure, il y a une classification un petit peu complexe qui répertorie toutes les sortes de lymphomes cutanés. Et parmi tous ces lymphomes cutanés, le mycosis fongoïde, vous voyez sur ce petit diagramme, c'est vraiment le plus fréquent. Il représente quasiment voilà, la moitié de l'ensemble des lymphomes cutanés. Donc le mycosis fongoïde, qu'on appelle en langage un peu médical souvent le MF, c'est un lymphome T cutané, donc développé à partir des lymphocytes T. Et alors au stade qu'on va appeler précoce, entre guillemets, on va avoir ce qu'on appelle des lésions rouges, planes, des patches, comme vous voyez, des plaques rouges, pas du tout en relief, qui sont donc souvent un petit peu squameuses, il y a des petites peaux dessus. Et puis ça a un peu un côté, ce qu'on appelle arciforme, vous voyez les bordures un peu en forme d'arc. Donc ça, c'est assez classique comme aspect de ce qu'on peut avoir au diagnostic d'un mycosis fongoïde. C'est souvent classiquement dans des zones non photo-exposées, c'est-à-dire ça va arriver sur la zone du caleçon, dans les zones axillaires. Et donc classiquement aussi, comment on le reconnaît, c'est qu'il a, parce qu'une plaque en dermatologie, finalement, il y a beaucoup de... C'est un motif très fréquent de consultation. Donc ce qui est assez classique dans le mycosis fongoïde, c'est ce côté encoché qu'on dit en carte de géographie bien limité, contrairement à l'eczéma qui va avoir des bordures un peu plus qu'on appelle émiettées, moins linéaires. Donc c'est des petits signes qui font penser aux dermatologues qu'il y a peut-être un mycosis fongoïde. Et les démangeaisons peuvent être associées, mais elles ne sont pas toujours présentes dans le mycosis fongoïde. Donc voilà, je vous remets une lésion qui peut, voilà, une autre lésion de mycosis fongoïde, voilà, une petite plaque assez bien limitée. Et voilà, et ça peut évoluer ou être d'emblée un petit peu plus en épaisseur, ce qu'on va appeler plutôt une plaque, un peu plus en relief. À ce moment-là, vous voyez toujours le côté encoché avec des belles limites. Et beaucoup plus rarement, on a l'évolution vers des lésions qu'on va appeler tumorales, ce qu'on appelle le mycosis fongoïde transformé, c'est-à-dire que à la biopsie, on va avoir des grandes cellules. Alors, c'est pas toujours le cas, et on peut parfois aussi avoir des atteintes des ganglions ou des organes, mais c'est très très rare. Donc, il faut faire attention quand un patient consulte pour un mycosis fongoïde, parce que l'évolution de la petite plaque vers la tumeur, c'est pas quelque chose du tout de systématique, c'est même plutôt rare. Et donc voilà, c'est une croyance. On a beaucoup de patients qui sont paniqués quand on a un diagnostic de mycosis fongoïde, mais il y a pas cette évolution de la lésion à type de patch vers la lésion tumorale. C'est pas du tout systématique, ni l'évolution qu'on peut avoir aussi, mais très rarement, vers une atteinte qu'on appelle érythrodermique d'un mycosis fongoïde érythrodermique, où il y a toute la peau qui devient rouge. C'est différent du syndrome de Sézary, dont le docteur Quéreux vous parlera après, où il y a une atteinte sanguine. On a des mycosis fongoïdes qui peuvent atteindre toute la peau sans atteinte sanguine, et ce qu'on appelle le MF érythrodermique, mais c'est quand même assez rare aussi.
Donc, comment on fait le diagnostic de mycosis fongoïde quand un patient consulte avec des plaques, que le dermatologue va quand même avoir une arrière-pensée pour ce diagnostic sur l'aspect des lésions, et le moyen de faire le diagnostic, ça reste vraiment, c'est très très important, c'est la biopsie de peau. Donc je pense que les patients qui sont là connaissent tous ce que c'est qu'une biopsie cutanée. On prend un petit instrument qui s'appelle un punch, qui va prendre une petite carotte de peau, qui va nous montrer l'épiderme, le derme et l'hypoderme. Voilà, et voilà ce qu'on voit quand on a fait une biopsie cutanée. Donc ça, c'est une peau normale. Vous voyez en violet ce qui est l'épiderme, en rose le derme. Enfin, ah oui. Voilà, vous avez l'épiderme, puis le derme et l'hypoderme. Donc c'est ce qu'on voit dans une biopsie. C'est de nouveau, vous voyez, en rose foncé, c'est l'épiderme, en rose clair, c'est le derme. Et c'est une peau normale. Et c'est ça qui va nous intéresser, que nous, on va regarder, qu'on envoie en laboratoire d'anatomie pathologique. Et ce qu'on voit dans un mycosis fongoïde, c'est, vous voyez, tous ces petits points violets qu'on n'avait pas sur la photo précédente, tout ça, c'est des lymphocytes qui vont se mettre au niveau du derme et de l'épiderme. Et cet aspect, avec, vous voyez, un épidermotropisme, c'est-à-dire des petits lymphocytes qui se mettent dans l'épiderme, ça va nous orienter et ça fait un diagnostic de mycosis fongoïde. On voit tous ces petits lymphocytes qui se sont multipliés dans la peau et qui font que ça va développer il va se produire une plaque, en fait, c'est ce qu'on voit au microscope, en fait. Et ça, c'est un immunomarquage, c'est des marquages qu'on fait spécifiquement qui marquent les lymphocytes, et on les voit aussi, vous voyez, en marron, tous ces petits lymphocytes qui ne devraient pas être là, et qui se trouvent dans la peau, dans le derme et dans l'épiderme. Donc c'est assez clair. Enfin, ce qu'on fait aussi parfois, ce que vous avez peut-être entendu parler, c'est qu'on va faire une recherche de clonalité. C'est-à-dire qu'on va rechercher un lymphocyte clonal. Donc ça se fait avec des techniques très performantes de PCR ou de séquençage en haut débit des gènes. Et on va mettre en évidence le lymphocyte qui se multiplie, qui est clonal. C'est pas toujours détecté, mais c'est un bon argument pour faire le diagnostic de mycosis fongoïde. Voilà. Alors, le mycosis fongoïde, je vous ai montré les plaques rouges sur la peau. Il y a plein d'autres formes très, très particulières, ce qu'on appelle des variantes du mycosis fongoïde, notamment le mycosis fongoïde pilotrope ou folliculotrope, où là, c'est les petits lymphocytes vont se mettre autour des follicules pileux. Vous voyez là, ma flèche se met... sur la photo de droite... Voilà. Je ne sais pas la souris... Non, la souris passe pas. Bon, c'est pas très... Je vais essayer de vous expliquer. La souris ne passe pas sur l'écran. Donc, vous avez sur la photo de droite, le gros point blanc, là, au milieu, c'est un poil. Et vous voyez que les petits points marrons se mettent autour du poil. C'est-à-dire... Voilà. C'est-à-dire que les... Les lymphocytes infiltrent la gaine pilaire et donc ça va donner des atteintes pilaires, des mycosis fongoïdes qui vont exclusivement atteindre les poils, c'est-à-dire qu'on peut avoir des dépilations, des aspects comme des acnés, mais des acnés qui peuvent être tardifs sur des endroits où d'habitude on n'a pas d'acné. Donc tout ça, ça peut être des formes de mycosis fongoïdes que le dermatologue doit diagnostiquer. Parfois, les lymphocytes se mettent au niveau des fibres, détruisent les fibres élastiques, et on a une forme particulière qui s'appelle le mycosis fongoïde chalazodermique, qui est très rare et qui donne un aspect comme ça plissé au niveau des plis. C'est une autre forme. Parfois, on a des mycosis fongoïdes hypopigmentées, ça donne des plaques dépigmentées au niveau de la peau, ou parfois des atteintes des glandes sudorales, des glandes qui fabriquent la sueur, et qui peuvent donner des plaques au niveau uniquement des paumes et des plantes. Donc, vous voyez que c'est très, très hétérogène au niveau de la présentation. Le diagnostic n'est pas toujours facile pour le dermatologue, mais il faut y penser. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on va diagnostiquer clairement un mycosis fongoïde? Le dermatologue, souvent c'est un dermatologue de ville, hein, qui va faire une biopsie et puis tombe sur un diagnostic de mycosis fongoïde. Donc le mieux, c'est d'adresser, comme vous l'a montré Martine Bagot tout à l'heure, le patient dans un centre de référence de prise en charge des lymphomes cutanés du réseau du GFELC pour avoir un avis, une prise en charge et pouvoir orienter le patient. Donc en général,
général, on confirme les diagnostics, soit on refait une nouvelle biopsie pour confirmer, soit on relie la biopsie qui a déjà été faite. On évalue le stade du mycosis fongoïde, on va examiner le patient, voir si les plaques sont infiltrées, pas infiltrées, si c'est très étendu, pas trop étendu. On va parfois, mais pas toujours, proposer un bilan d'extension par un scanner. Si on palpe des ganglions, on peut faire une biopsie ganglionnaire, mais ce n'est pas forcément systématique, c'est sur point d'appel. Si on a des points d'appel particuliers, mais on est, enfin, sur, la plupart des mycosis fongoïdes n'ont pas besoin d'avoir tous ces examens. Et on va proposer un traitement. En général, tous ces traitements sont validés lors d'une réunion de concertation pluridisciplinaire. Et surtout, on prend le temps d'expliquer au patient sa maladie, de répondre à ses questions et de lui expliquer le traitement envisagé. Et en général, le rassurer. Parce que c'est un traitement, c'est une maladie, c'est une annonce diagnostique qui peut être angoissante. Donc on prend vraiment le temps d'expliquer au patient. Voilà, donc ça c'était sur le réseau, donc Martine Bagot vous en a parlé tout à l'heure, donc il y a un réseau de sites, de centres qui prennent en charge les mycosis fongoïdes de façon experte. Ensuite, on va passer au traitement du mycosis fongoïde. Donc, au stade précoce, c'est-à-dire s'il n'y a pas d'atteinte des ganglions, si les lésions ne sont pas très étendues, le traitement qu'on priorise, c'est ce qu'on appelle un traitement local. Donc, parfois, ce qu'on peut même parfois conseiller aux patients, c'est de se mettre un petit peu au soleil, pas aux heures hein, où on va brûler, mais de se mettre un petit peu au soleil en fin de journée. Le soleil a une action anti-inflammatoire qui permet parfois d'améliorer les plaques de mycosis fongoïde. Donc, parmi les autres traitements locaux qu'on peut proposer, il y a les dermocorticoïdes, dont le clobétazole, le Clarelux, le Dermoval, qui est un traitement de première intention qui peut être très efficace et souvent qui suffit à faire régresser les plaques. Une autre possibilité thérapeutique est la chlormétine en gel. C'est un gel que les patients s'appliquent au niveau des plaques et qui peut faire régresser également les lésions sous forme d'un gel. Une autre possibilité dans les traitements locaux, c'est la photothérapie, donc des UV dans une cabine, de la puvathérapie ou des UVB. Et exceptionnellement, ce qu'on peut aussi proposer, c'est de la radiothérapie localisée s'il y a une seule plaque un peu épaisse, donc sur une lésion unique, c'est des choses qu'on peut proposer. Donc ça, c'est le traitement locaux, donc c'est ce qu'on privilégie au stade qu'on va appeler, entre guillemets, précoce. Et c'est des traitements qui se font sur plus ou moins le long terme. Hein. On peut faire du dermoval sur des années, au moment où les patients ont des plaques, et puis quand ça va mieux, ils arrêtent, et puis quand les plaques reviennent, on reprend le traitement par clobétazole, par les pommades dermocorticoïdes. Ensuite, en cas d'échec des traitements locaux, ou s'il y a une contre-indication, une forme étendue, on a plusieurs autres traitements possibles, notamment l'interféron sous la forme. Alors maintenant, on n'a plus que la forme pegylée, le Pegasys. Donc ça se fait en injection sous-cutanée, une fois par semaine. Les effets secondaires, ça peut être un peu de syndrome grippal, une fatigue, une baisse des globules ou des plaquettes. Un autre traitement par cachet, c'est le bexarotène. Donc, c'est un médicament qui se prend par la bouche et qui a pour principaux effets secondaires de donner une baisse de la thyroïde qui se met au repos, une hypothyroïdie. Et un autre effet secondaire, c'est une augmentation des graisses dans le sang. Donc, on surveille ça, mais globalement, c'est un traitement qui est bien toléré. Parmi les autres traitements possibles, on a le méthotrexate qui peut se prendre soit par médicament, soit par piqûre sous-cutanée. Ça se prend une fois par semaine et c'est bien toléré aussi. On peut avoir une petite baisse des globules. Il faut surveiller le rein, le foie, mais c'est pareil, un traitement qui est bien supporté. Et un autre traitement qu'on peut effectivement proposer aux mycosis fongoïdes, aux patients avec mycosis fongoïde qui n'ont pas répondu à ces traitements ou aux traitements locaux, et l'électrothérapie corporelle totale. C'est une radiothérapie de tout le corps, mais c'est disponible malheureusement dans très peu de centres. Voilà. Et
Pour finir sur les traitements, dans les formes qu'on va appeler avancées ou réfractaires, c'est-à-dire des formes un petit peu plus avec des lésions plus épaisses, des lésions tumorales ou des patients qui sont réfractaires au traitement dont je vous ai parlé précédemment, on a plusieurs options. On a un traitement immunomodulateur, les inhibiteurs d'histone déacétylase, la romidepsine, qui est un médicament qu'on a en autorisation temporaire, enfin en autorisation temporaire d'utilisation spécifiquement pour cette maladie. C'est un médicament qui module la structure de la chromatine au niveau de l'ADN et ça induit l'apoptose, la mort des cellules anormales. Et les autres traitements qu'on a dans le mycosis fongoïde et qu'on privilégie beaucoup actuellement, c'est les immunothérapies avec des anticorps monoclonaux. Notamment, on a un anti-CCR4 qui est le mogamulizumab actuellement, qu'on peut utiliser. On a un autre anticorps monoclonal qui est l'anti-KIR3DL2 qui est actuellement dans un essai clinique. Et on peut aussi avoir un anti-CD30 qui va cibler un marqueur qui se trouve sur les cellules de mycosis fongoïde, qui est le brentuximab vedotin. Voilà. Et dans les formes très avancées ou réfractaires, où les anticorps monoclonaux, les immunomodulateurs n'ont pas marché, on peut être amené à proposer des chimiothérapies, voire une allogreffe de cellules souches, mais ça reste un traitement assez qu'on ne fait pas fréquemment, hein, qui est réservé à certains patients et qu'on fait plus rarement. Voilà, donc on vous a parlé tout à l'heure d'un guide à usage des patients pour comprendre les lymphomes cutanés qu'on avait fait avec l'association de patients. Et voilà, bah, je vous remercie pour votre attention, je remercie tous les patients. Stade où vous voulez qu'on groupe après le... On vous fait à chaque fois, après chacun. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Soit dans la salle, soit online. Dites-nous... Il n'y a pas de questions online. Alors, dans la salle, est-ce qu'il y a des questions ? Non ? Oh ben, c'est étonnant. Vous savez tout, alors. C'est bien. Pas de questions, monsieur Bouguet. Ah oui. Du coup... Vous parlez des essais cliniques comme étant une option thérapeutique. Comment concrètement un patient peut faire si, par exemple, il est traité à Lille, enfin, il est pris en charge à Lille, comment peut-il faire pour accéder à un essai clinique s'il n'est pas disponible à Lille, par exemple ? Comment ? Que vous voulez poser. Ben, déjà, les essais thérapeutiques, souvent, sont ouverts dans plusieurs villes en France, hein, en général. C'est vrai que pas toutes les villes, mais souvent, ça couvre quand même plusieurs villes du territoire. Donc, il faut essayer à ce moment-là, justement, sur le site du GFL, qu'idéalement, ce serait bien d'avoir les villes où les essais thérapeutiques sont ouverts. Après, il vaut mieux commencer par les médicaments disponibles. C'est vrai, si c'est pas trop loin, le laboratoire peut rembourser les frais de transport. Si on a un patient qui vient de Lille, qui vient à Paris. Oui, mais c'est quand même fatigant. C'est quand même fatigant de faire des transports au début, si les injections sont toutes les semaines. Donc, ça se discute au cas par cas. Si éventuellement, il y a une possibilité et que ce n'est pas faisable, on peut voir si ça peut s'organiser. En fait, plus concrètement, ce que je voulais demander, c'est à partir du moment finalement, de référence, hein, dont vous avez montré la carte, les médecins du centre de référence seront, comment dirais-je, les promoteurs vers un essai clinique qui n'est peut-être pas disponible chez lui. C'est bien ça. Donc à partir du moment où on est dans un de ces centres, normalement, on est bien pris en charge. Et s'il y a des options thérapeutiques pour des situations bien spécifiques, le médecin référent pourra adresser le patient ailleurs. On peut dire que c'est aussi le but des réunions qu'on a au groupe Lymphome, où on discute de dossiers qui parfois sont compliqués. Alors ça peut être au départ, mais ça peut être aussi des situations thérapeutiques où justement, ben là, on va proposer un essai clinique qui n'est peut-être pas ouvert dans le centre, mais peut-être dans un autre centre. Donc ça fait partie de l'intérêt de ce réseau. Merci. Informer, de demander le consentement, enfin voilà, c'est l'étape majeure.
Et puis après, si, voilà, voir si dans, où c'est possible, comment c'est possible, dans quelles conditions. On peut se faire rembourser les transports, mais il faut que ça soit aussi gérable pour vous. Enfin voilà, tout ça, ça doit être, ça mérite du temps et de l'explication. Bon, alors s'il n'y a pas d'autres questions pour l'instant, donc merci Caroline. Donc on va passer à l'exposé du professeur Gaël Quéreux de Nantes, qui va parler du syndrome de Sézary. Il y a un pointeur, je crois qu'il ne marchait pas tout à l'heure. Non, c'est pas grave. Bonjour à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc là, on va faire le point en 10-15 minutes sur ce syndrome de Sézary. Alors, tout d'abord, premier élément important, contrairement à ce que vient de nous dire Caroline avec le mycosis fongoïde qui est un lymphome fréquent, là, dans le Sézary, on est vraiment dans un lymphome rare. C'est moins de 3% des lymphomes. C'est un lymphome qui est connu depuis près de 80 ans. Albert Sézary, qui est un grand dermatologue parisien, l'avait déjà décrit en 1938. Et puis l'autre différence par rapport à ce que vient de nous décrire Caroline, le mycosis fongoïde, c'est que là on a certes une atteinte dans la peau, mais on a aussi une atteinte dans le sang et souvent dans les ganglions. Donc c'est vraiment cette triade, c'est ce qui force le mycosis Sézary, la peau, le sang, les ganglions. On va commencer par la peau. Alors qu'est-ce qui nous permet dans la peau d'évoquer, de suspecter un syndrome de Sézary chez nos patients? Très souvent, et alors je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui ont un Sézary, mais je pense qu'ils ne me contrediront pas, souvent le premier symptôme, c'est les démangeaisons. Alors c'est très variable d'un sujet à l'autre. Il y a des gens qui ont des démangeaisons assez modestes, d'autres qui ont des démangeaisons qui sont vraiment gênantes dans le quotidien, parce que ça gratte un peu tout le temps. Donc ça, c'est vraiment souvent le premier symptôme. Après, on va également suspecter un syndrome de Sézary parce que la peau, elle devient rouge. Et ce qui est très caractéristique d'un syndrome de Sézary, c'est qu'on est vraiment rouge de la tête aux pieds. Le terme qu'on utilise en médecine pour décrire cela, c'est ce qu'on appelle une érythrodermie. On est rouge de la tête aux pieds. Après, d'un sujet à l'autre, ce degré de rougeur est extrêmement variable. Je vais vous le montrer en photo, ça sera beaucoup plus parlant. Vous voyez, ce patient, il est très rouge. Moi, je dirais qu'il est rouge presque aubergine, il est vraiment rouge violacé. Cette patiente, elle est rouge avec plus, je dirais, d'irrégularité dans sa peau. Un peu plus différentes couleurs, on va dire, il y a du rouge, il y a du rose. Ici, la rougeur, elle est, on va dire, modérée. Et là, elle est même assez modeste. Et puis, on voit également sur cette rougeur, qu'il y a également, en plus, ce que nous, on appelle des squames. Squames, c'est la peau, la partie superficielle de la peau qui part. On a très souvent, dans le syndrome de Sézary, l'association d'érythème, donc de rougeur et de squames, comme dans le mycosis fongoïde. Et vous voyez cette peau rouge, une autre caractéristique, elle est très épaissie. On le voit bien ici, ça lui donne un aspect un peu plissé, vous voyez, sur les côtés. On dit des fois un peu comme un rideau. Vraiment, cette peau, elle est épaissie, parce qu'en fait, elle est justement remplie de petits lymphocytes anormaux. On peut avoir également cette rougeur, cette atteinte, au niveau des paumes et des plantes. Donc le terme que vous nous entendrez utiliser, c'est ce qu'on appelle une kératodermie palmoplantaire. Donc on a une peau qui s'épaissit au niveau des paumes et des plantes. Et ce qui va souvent avec, et c'est hyper désagréable, c'est ces petites fissures que vous voyez assez bien ici. Vous voyez, des petites coupures, en fait, qu'on a là, par exemple, au niveau des phalanges, qu'on a parfois aux extrémités des doigts. Je pense que c'est pareil, certains d'entre vous en ont eu. Je pense qu'ils confirmeront que c'est assez désagréable. Ça fait mal, en fait, dès qu'on touche un papier, on se blesse, c'est pas très agréable. Parfois, cette rougeur, quand elle atteint le visage, elle peut donner un visage un peu gonflé, un peu œdémacié. Et parfois, quand c'est œdémacié, ça tire la paupière vers le bas. Donc on remarque parfois une petite modification dans l'aspect de notre visage. Chez certains patients qui ont un syndrome de Sézary, ils constatent également une modification de leurs ongles. Alors aussi bien au niveau des pieds que des mains, avec des ongles qui peuvent être un peu épaissis. Alors quand je dis les ongles, c'est vraiment la tablette qui devient épaissie. Quand elle est épaissie, elle peut être du coup un peu plus blanchâtre, un peu plus jaunâtre, et elle peut avoir tendance à se décoller. C'est également assez classique dans ce syndrome de Sézary.
Alors, comment confirmer le diagnostic dans la peau? Mais c'est la même chose que ce que vous a expliqué Caroline pour le mycosis fongoïde. On va aller faire une biopsie cutanée. Donc, on fait exactement comme dans le mycosis fongoïde. On utilise un petit ponche qu'on plante dans la peau pour aller avoir une carotte de peau. Beaucoup plus rarement, on utilise un bistouri quand on veut quelque chose de plus profond. Et du coup, grâce à cette biopsie de peau, on va aller rechercher ce qui nous intéresse, c'est-à-dire est-ce qu'il y a des lymphocytes anormaux dans la peau. Et on retrouve une image qui est assez proche de celle qu'on a dans le mycosis fongoïde, avec ces petits lymphocytes qui sont, là on voit à peine, un peu violacés, plus foncés. Qui sont vraiment à la frontière, au début de l'épiderme. Et puis, même chose que dans le mycosis fongoïde, vous nous entendez toujours utiliser ce terme de clone. Ce qu'on va rechercher, c'est effectivement s'il y a une clonalité. Alors, une clonalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ce qu'il faut se dire, c'est que normalement, tous nos lymphocytes, ils sont différents. On a plein de lymphocytes qui ne sont pas les mêmes. Quand on a une maladie comme celle-ci, on a un type de lymphocyte qui va se multiplier de manière complètement inappropriée et c'est le même lymphocyte qui va en faire plein d'autres qui sont le même que lui. C'est ça un clone. Donc dans un lymphome, classiquement, on a un clone qu'on retrouve à la fois du coup, dans la peau puis dans ses aries. On va le retrouver également dans le sang. Donc on va aller chercher dans la peau des patients sur lesquels on suspecte un syndrome de ses aries, eh bien, si tous ces lymphocytes sont les mêmes, s'ils sont issus pardon, d'un même clone. Donc ça, c'était pour la peau. Ensuite, donc on a suspecté un syndrome de Sézarie, on va aller explorer le sang pour voir s'il y a des cellules de Sézarie dedans. Alors, comment on fait? Mais en fait, c'est fait au microscope. On regarde le sang du patient pour voir s'il y a ces cellules de Sézarie. Alors, comment on les reconnaît, ces cellules de Sézarie? Grâce à une petite technique, en fait, ils ne sont pas exactement comme les lymphocytes normaux, ils sont un peu plus gros, ils ont surtout un noyau qui est différent. Le noyau, il est assez volontiers encoché. Il peut être assez double, ou on dit souvent qu'il peut être cérébriforme, c'est-à-dire comme une cervelle, comme un cerveau. Vous l'avez ici sur le schéma de droite, en haut des noyaux de lymphocytes normaux, et puis en bas, plein de types différents de noyaux de lymphocytes de Sézarie. Également en bas, vous voyez très bien un lymphocyte normal et ce noyau encoché des cellules de Sézarie. Une autre représentation avec ce noyau qui est vraiment très cérébriforme. Le problème principal de cette technique, c'est que ce n'est pas très facile et c'est surtout très opérateur dépendant. Quand on n'a pas trop l'habitude, difficile de voir s'il est vraiment un peu encoché, très encoché. Donc du coup, ça donne des données qui sont assez peu reproductibles d'un laboratoire à l'autre. Donc c'est pour ça qu'on a un petit peu abandonné cette technique, même si vous nous entendez encore dire bah, on attend le pourcentage de Sézarie dans le sang avec, entre guillemets, l'ancienne technique. Et on a essayé de trouver des techniques qui étaient plus reproductibles. Une des techniques qui est pratique, qui est assez, beaucoup plus reproductible, c'est ce qu'on appelle la cytométrie en flux. C'est un terme bien compliqué. L'idée, c'est de se dire c'est qu'un lymphocyte, autour de lui, il a plein de petits marqueurs, que je vous ai présentés comme ça en couleur, qui permettent aux autres cellules de le repérer comme étant tel ou tel lymphocyte. On a des marqueurs qu'on s'attend à trouver, donc des marqueurs positifs, puis des marqueurs, au contraire, qu'on ne trouvera pas, qui sont des marqueurs négatifs. Et bien dans le Sézarie, on sait que classiquement, comme marqueur, il va avoir le CD4, le KIR3DL2. Et puis à l'inverse, on n'aura pas le CD8, on n'aura pas le CD26, on n'aura pas le CD7. Et donc ces cellules, en fait, on les fait passer dans une espèce de grosse machine et on va les repérer grâce à leurs marqueurs et voir s'il y a ces cellules anormales de Sézarie. Et puis dernière chose, dans le sang, on va rechercher si on trouve cette même population clonale, c'est-à-dire tous ces lymphocytes qui sont les mêmes parce qu'ils sont issus d'une même cellule. Et à partir de là, il y a des recommandations qui ont été écrites pour nous dire on peut dire qu'on est face à un syndrome de Sézarie si on a un clone dans le sang, et ce clone il est le même que dans la peau, et puis un nombre de cellules qui sont CD4+, CD7-, ou CD4+, CD26-, qui est supérieur à 1000. Parce qu'on a étudié beaucoup de patients qui avaient ou qui n'avaient pas de sérum Sézarie, ce qui a permis de trancher et de dire que la limite, elle est celle-là. Donc maintenant, quand vous nous entendez parler du sang dans les cellules Sézarie, c'est ça qu'on va chercher. On va dire le nombre de cellules de CD4+, CD26-, il est à 700, donc on n'est pas encore complètement dedans. Ou il est à 1200. Là, oui, on est vraiment dans un sérum de Sézarie. Dernière chose, l'atteinte des ganglions. Donc, quand on a une atteinte des ganglions, ces ganglions ils deviennent gonflés parce que là encore, ils sont remplis de lymphocytes anormaux, donc ils ont une augmentation de volume. Souvent, ils sont un peu plus fermes à la palpation.
on les retrouve, ces ganglions, au niveau du cou, au niveau des aisselles, au niveau de l'aine. C'est pour ça que vous nous voyez souvent palper votre corps à la recherche de ces ganglions. Et puis, on peut être aidé également, en plus de l'examen juste manuel, avec des échographies qui vont être plus précises, ou éventuellement avec un scanner, ou parfois avec un TEP scanner. Ça, ça peut nous rendre service. Et donc, comme ce qui avait été dit en introduction par Martine, ce n'est pas toujours facile de poser un diagnostic de césarie, et c'est vraiment la combinaison de tout ce qu'on vient de voir qui va nous permettre d'arriver au diagnostic. Alors, la peau, parce qu'on est rouge, parce qu'on se gratte, on palpe des ganglions qui sont parfois grossis, ensuite les analyses à la fois en laboratoire de la peau et du sang, et c'est tout ça qui va nous permettre de dire « Ok, là on est vraiment dans un syndrome de césarie ». Parfois, de nouveau dans des cas difficiles, c'est important qu'on puisse échanger entre nous, et c'est vraiment ce qu'on fait très fréquemment au sein du GVELC, dans les cas difficiles, pour essayer de trancher formellement, de se dire « Est-ce qu'on est dans un syndrome de césarie ou est-ce qu'on ne l'est pas ?» Et ensuite, pour finir les traitements, alors il y a beaucoup de choses qui vont être très similaires par rapport aux mycoses fongoïdes. La chose qui est différente pour commencer, c'est celle-là, la photophérèse extracorporelle. Alors, si certains d'entre vous ont un syndrome de césarie, je pense que vous connaissez la photophérèse extracorporelle. C'est souvent le traitement qu'on conseille en première intention. Ça a l'énorme avantage de bien marcher et puis surtout d'être très peu toxique, très peu d'effets secondaires. Le principe, il est celui-là. Donc, vous l'avez dans le petit schéma que je ne peux du coup pas flécher. L'idée, c'est que ça se fait souvent dans les centres type EFS. On prélève le sang. Le sang, ensuite, on le trie dans une machine qu'on appelle une centrifugeuse. Les globules rouges sont mis de côté et sont réinjectés au patient. Et c'est les globules blancs dont on s'occupe, parce que c'est les globules blancs qui sont anormaux. Les globules blancs, on les traite avec des UVA, en les rendant encore plus sensibles avec un psoralène. Et puis, une fois qu'ils sont traités, on les réinjecte au patient. Alors, il y a des machines qui sont très bien faites, comme celle que vous avez en bas sur l'image, qui permettent, dans un système fermé, de faire tout ça. Et bon, c'est assez désagréable pour le patient parce qu'il faut y aller, c'est répétitif. Par contre, ce n'est pas un examen spécialement douloureux, ça se fait en ambulatoire. Et par contre, et c'est sûrement ça la principale contrainte, il faut le refaire régulièrement. Classiquement, on commence par tous les 15 jours. Puis ensuite, si ça se passe bien, on peut tout à fait espacer. Donc, vraiment, l'énorme avantage, il y a une excellente tolérance. Ensuite, les autres traitements, vous retrouvez ceux dont vous a parlé Caroline, donc je ne vais pas réinsister, c'est les mêmes. Ils marchent dans les mycoses fongoïdes, ils marchent également dans le césarie. Et tous ces traitements, on va les utiliser selon le besoin, soit les uns après les autres, soit parfois en les combinant si on a besoin. Je fais juste une petite aparté sur un traitement, le dernier des traitements systémiques, qui est un traitement qu'on a depuis assez peu de temps, le mogamulizumab, qui est vraiment un traitement qui peut être assez révolutionnaire justement dans ce syndrome de césarie, qui donne à la fois une excellente réponse sur la peau, avec une amélioration de la peau, et également des réponses très spectaculaires au niveau du sang. Donc c'est un traitement qui maintenant de plus en plus souvent, quand on le peut, devient notre deuxième indication en syndrome de césarie, parce qu'on a des résultats très spectaculaires. Voilà, donc au total, ce que je voulais vous dire sur le syndrome de césarie, c'est que vous avez vu, c'est une maladie qui est un petit peu complexe, qui est rare, donc qui est liée à cette prolifération de lymphocytes anormaux, à la fois dans la peau, dans le sang et dans les ganglions, et qu'on a la chance vraiment d'avoir des avancées thérapeutiques qui sont incroyables depuis quelques années, qui nous permettent d'améliorer les choses considérablement. Je vous remercie pour votre attention. Oui, mais peut-être que vous avez des questions sur le syndrome de césarie pour Gaëlle ? Non ? Non ? Alors sinon, on va faire les questions du chat. Alors, Céline, vous pouvez nous dire quelles sont les questions ? Oui, alors, vous m'entendez ? Oui. Donc, alors, le patient nous demandait quel était le traitement en première intention des slides présentés précédemment sur le mycoses fongoïdes. Donc, est-ce que c'était du bexarotène, du pégasis ou du méthotrexate ? Ben, en premier, c'est les traitements locaux, comme a dit Caroline. Ben, vas-y, réponds, vas-y, si tu veux répondre, Caroline, oui. Savoir entre méthotrexate, bexarotène ou interféron, lequel on va choisir, je pense que c'est plutôt ça la question de la personne. Alors, il n'y a pas vraiment de meilleur traitement l'un que l'autre, en fait. Ils sont à peu près tous équivalents au niveau des réponses, donc c'est plutôt des habitudes locales. Il n'y a pas un choix pris et qu'on va faire en premier par rapport à un autre. D'accord. Alors, apparemment, il nous témoigne qu'il a fait son premier traitement au bexarotène, c'est qu'il a obligé à prendre du lévothyrox et que
et enfin, qui continue à prendre apparemment après, alors qu'il a arrêté le premier traitement il y a 2 ans, qu'ensuite il a enchaîné avec du méthotrexate, mais qu'il a eu une atteinte hépatite qui a nécessité l'arrêt du traitement et qu'ensuite il a pris du Ledaga qu'il a brûlé. Je suis désolée, j'aurais préféré vous lui passer la parole, mais oui. il prend pas la main. Ce serait plus simple. Tous les traitements ont des effets secondaires, c'est sûr. Après, ça se gère normalement. Donc, c'est vrai qu'on choisit aussi en fonction des personnes. C'est-à-dire que l'interféron, souvent, on prescrit moins. Moi, en premier, c'est chez les gens plus de 70 ans, parce qu'on sait que ça peut donner parfois une fatigue. Le Bexarotène, on ne le donne pas s'il y a une augmentation des lipides dans le sang, par exemple. Le méthotrexate, s'il y a une insuffisance rénale. On s'adapte en fait aux potentielles comorbidités, comme on dit, c'est-à-dire les maladies à côté. Voilà. Après, ce monsieur, il n'a pas de chance, mais c'est vrai qu'il peut toujours survenir des effets secondaires. Et ce qu'il faut, c'est que les effets secondaires ne soient pas plus ennuyeux que la maladie. Il faut qu'il y ait un bon bénéfice-risque. Oui. On essaye d'expliquer aux patients les différents effets secondaires. Donc c'est vrai qu'un patient peut avoir une fragilité plus d'un côté ou de l'autre. Donc oui. Ça peut orienter plus vers tel traitement où on sait qu'a priori il supportera bien. Voilà. Et puis ensuite, le patient qu'on a informé des effets secondaires, il peut avoir ses choix personnels aussi. Voilà. Il peut dire, mes 2 verres de vin par jour, c'est important, je ne veux pas le méthotrexate. Ou j'aime pas les piqûres. Du lévothyrox, j'en prends déjà, ça se passe très bien, donc le targrétin, ça ne me dérange pas du tout. Voilà. Oui. Donc c'est vraiment aussi, une discussion et un choix individuel avec chaque patient, et ça c'est très très important. Bonjour. J'ai 3 nouvelles questions. Ah, je vous en prie, prenez la parole, monsieur. Bonjour, merci, excusez-moi d'intervenir de la sorte. Alors, je reviens sur les slides précédentes, effectivement. Je ne veux pas faire l'étalage de ma situation personnelle. J'avais juste cette question-là, qui était de savoir quel était le traitement en primaire intention, puisque je n'ai pas eu le choix dans le traitement qui m'a été donné. On m'a donné du Bexarotène, des capsules du Bexarotène tout de suite, ce qui m'a valu, effectivement, de prendre maintenant du Lévothyrox depuis plus de 2 ans. Il y a eu une grosse influence aussi sur tout ce qui était glycémie, etc., où j'ai pris en compensation pas mal de médicaments pour finalement pas beaucoup d'effets. Et donc, j'ai cette impression-là, si vous voulez, que aujourd'hui, je suis sous Pegasis. J'ai arrêté les dégâts qui m'ont brûlé, comme je disais, et ça marche très bien. Et je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on ne m'a pas proposé ce traitement-là de prime abord. Votre médecin doit avoir des raisons. Il y a des patients chez qui le Pegasis induit une fatigue, un syndrome grippal, ça dépend vraiment. Il faut essayer de trouver le médicament qui vous convient à vous. On aurait pu vous proposer le Pegasis en premier, mais je pense que si le médecin ne l'a pas fait, il doit avoir des arguments, peut-être. Bien, oui, c'est ça. Oui, d'autres supportent très bien le Bexarotène, pas bien le Pegasis. Il faut vraiment s'adapter à chaque personne, à chaque patient. Oui. Merci beaucoup. Merci. On a ensuite pas mal de questions sur le mogalizumab, en fait. Quelqu'un nous dit qu'il ne devrait plus être pris en charge financièrement et qu'il devrait être arrêté en début 2022. Il y a une question autour de ça. J'ai pas de micro, mais le problème, c'est qu'il est actuellement plus remboursé. Donc, c'est une vraie difficulté qu'on a actuellement en France. C'est vraiment une affaire qui est purement financière. Ici, il est payé par l'établissement actuellement. On espère que le problème va se résoudre début d'année 2022. OK. Ensuite, vous avez parlé, docteur Quéreux, des résultats exceptionnels du mogalizumab dans le Césari. Quel est le pourcentage de réussite? Qu'est-ce que vous pouvez dire là-dessus? Alors, on a des taux de réponse qui sont à la fois partiment, donc à la fois dans la peau et dans le sang. On a des taux de réponse dans le sang qui sont à plus de 60%. C'est pour ça que je vous dis que c'est très bien dans le Césari. Dans la peau, on a des taux de réponse qui sont autour de 40%. Donc c'est également très bien. Après, je reviens sur le commentaire de la personne précédente qui ne comprenait pas pourquoi elle avait le Bexarotène plutôt que de l'interféron. Quand on te donne ces taux de réponse, c'est des taux de réponse chez un grand groupe de patients. C'est-à-dire qu'on a, on va dire, 40% de patients qui répondent. Et ce qu'on disait à propos des différents traitements, c'est que pour les autres, que ce soit interféron, bexarotène, métaux, on a à peu près les mêmes taux. Après, ça ne veut pas dire que
il y en a un chez qui il va être efficace chez vous ou pas chez vous. En fait, c'est ça qui est toujours un peu surprenant pour un patient de se dire bah, pourquoi j'ai pas eu l'autre qui marchait mieux. Bon, nous, on peut pas le savoir à l'avance. On sait que statistiquement, on va avoir tel taux de réponse. On peut pas jamais être formel sur le fait que ça va marcher chez tous les patients. Oui. Merci, merci. Oui, oui, sur le. Alors, j'aurais une question après, une petite question à tiroir, mais sur le mogalizumab et l'accès à ces nouvelles thérapies, effectivement, nous travaillons, donc l'association ELI travaille avec le GFL, qui est spécifiquement le professeur Bagot, pour que le remboursement de la molécule soit continué jusqu'à l'arrivée début 2022 d'un nouveau processus qui permettra effectivement à cette molécule d'être remboursée, enfin d'être prise en charge par ce qu'on appelle la liste en sus. Aujourd'hui, comme le disait le docteur tout à l'heure, c'est l'hôpital qui doit payer le prix de la molécule. Donc, ça a un impact assez important sur le budget de l'hôpital. Il y a une liste en sus qui prend en charge tous ces médicaments en oncologie, en dermato, qui sont chers et donc qui sont pris en charge dans un budget spécifique qui ne tombe pas dans le budget de l'hôpital. En 2022, pour le mogalizumab, ce sera fait. Donc nous, ce qu'on essaie de faire avec le GFL, c'est essayer de couvrir la période qui va d'aujourd'hui, où il n'est plus remboursé, il n'est plus sous cette ATU, jusqu'à l'arrivée de la nouvelle réforme, qui sera au début janvier. On essaie de faire le maximum pour justement que ces patients puissent toujours être suivis et que ça n'impacte pas le budget de l'hôpital. C'est les pharmaciens des hôpitaux. Certains pharmaciens acceptent que ça soit pris sur le budget de l'hôpital. Ça coûte quand même assez cher, c'est vrai. Et puis d'autres pharmaciens n'acceptent pas. Donc on est dans une situation où, en fonction de la ville où on a accès à ce traitement ou pas, ce qui est pas voilà, ce qui est très injuste. Donc l'association travaille beaucoup avec nous et auprès du ministère pour que ça soit plus le cas. J'avais une question pour le docteur Quéreux. Vous avez parlé là tout à l'heure, enfin c'est une question à tiroir, vous avez parlé de la biopsie qui est nécessaire effectivement pour établir le diagnostic. Je sais que pour les lymphomes classiques ou les lymphomes systémiques, on a un système en France qui est un système unique dans le monde, qui est un système de relecture systématique des biopsies par le lymphopathe, ouais, le réseau lymphopathe, qui valide effectivement bien le diagnostic. Donc cette relecture est faite par des experts. Est-il fait aussi pour les lymphomes cutanés? Et la deuxième question, c'est que vous aviez dit que parfois il y a des problèmes de relecture quand vous faites des analyses sanguines. Et je me demandais s'il n'y avait pas un système également de relecture de ces tests sanguins, puisque vous avez mentionné que parfois l'interprétation pouvait... prêter à interprétation. Oui. Il y a un système de relecture qui est au sein du GVELC. En fait, au sein du GVELC, on est à la fois un binôme de cliniciens et de biologistes, et toutes les lames des patients, des experts du GVELC, sont revues tous les deux mois avec ce qu'on appelle un microscope à multitête par les différents experts biologistes pour confirmer les diagnostics de lymphome cutané. Donc effectivement, ouais, c'est le même système, mais c'est pas l'infopathe, c'est le GVELC. Ouais. Deuxième lecture par des pathologistes experts. Et financé par la CAF. Au départ, c'était l'infopathe. On a donné du budget au GFELC pour justement assurer cette relecture, même si bon, c'est pas toujours les pathologistes trouvent que c'est limite, mais il y a quand même un budget pour ça. Voilà. Oui. Ce qui est très très intéressant dans le cas du GVELC, c'est qu'il y a la relecture et ensuite ce qu'on appelle la confrontation anatomoclinique. Oui. C'est-à-dire qu'on peut à la fois voir effectivement au microscope et puis voir l'aspect clinique des lésions, l'histoire du patient. Et c'est vrai qu'en matière de lymphome cutané, ça c'est une particularité, c'est différent aussi des lymphomes ganglionnaires, c'est que le juste diagnostic, il faut tout corréler. C'est pas forcément la microscopie qui est l'étalon or. Il faut vraiment regarder l'aspect sur le microscope, mais regarder l'aspect clinique des lésions, regarder l'histoire du patient. Et c'est ça qu'on fait dans le cadre du GFELC, dans nos séances du vendredi. Et c'est ça qui permet le mieux d'arriver au juste diagnostic, en tout cas dans les cas les plus difficiles. Et concernant la deuxième partie de votre question, pour le sang, non, il n'y a pas réellement de relecture, parce que là, c'est vraiment basé sur une machine, la cytométrie en flux, qui donne un résultat. Donc, on peut être amené à reproduire l'examen. Ça, c'est très intéressant. On sait très bien, par exemple, en césarie, que souvent, on n'a pas grand-chose en début de maladie, et puis qu'à un moment, on va avoir vraiment la confirmation formelle.
mais ce n'est pas une relecture à plusieurs, pas vraiment. Non, mais il y a un travail qui est en cours pour essayer d'harmoniser les pratiques dans tous les centres du réseau. C'est-à-dire que bon, la cytométrie de flux, c'est une technique plus récente, donc certains centres ont plus l'habitude, et donc on a un PHRC, un programme hospitalier de recherche clinique, qui vise à harmoniser la technique sur l'ensemble du territoire. Donc ça, c'est aussi très, très positif et très novateur. Il n'y a pas beaucoup de pays qui ont fait ça. En fait, c'est vrai que c'est... Ouais. J'ai donné la parole à une patiente en ligne. Peut-être on la laisse poser sa question si ça ne vous embête pas, parce que ce n'est pas très facile d'interagir entre le virtuel et le... Allez-y, madame. Voilà, oui, bonjour, je vous remercie. Voilà, j'ai un syndrome de Sézarie. J'ai été traitée par Mogamulizumab. Actuellement, je suis en suspension de traitement à cause des effets secondaires. J'ai énormément de lésions au niveau des cheveux qui sont alopéciantes. Je voulais un petit peu en savoir un petit peu plus sur ces effets secondaires, savoir s'ils étaient durables et s'ils... Parce que moi, ça a très, très bien marché, le Mogamulizumab, mais savoir si ces effets secondaires s'estompent et si je pourrais reprendre ce traitement ou pas. Alors, c'est une excellente question. Effectivement, pour chaque traitement, il y a des effets secondaires. C'est malheureusement un peu inévitable. Pour le Mogamulizumab, les deux principaux effets secondaires, c'est des réactions le jour de la perfusion, avec une sorte de réaction, on va dire, allergique, même si ce n'est pas vraiment de l'allergie, avec une éruption qui peut revenir, des fois une sensation de malaise, ça c'est très ponctuel. Heureusement, ça disparaît très vite dans le temps. Et puis, on a également des éruptions cutanées qui peuvent survenir dans les premières semaines ou les premiers mois de traitement. Ça peut durer, et des fois, ça c'est un peu compliqué, parce que déjà, au départ, c'est difficile de différencier du lymphome, parce que quand on a la peau rouge, c'est difficile de voir du rouge sur du rouge. Donc, des fois, c'est un peu difficile. Donc on sait que c'est à peu près 25% des patients. Et puis dans les autres effets secondaires, il y a également parfois des chutes de cheveux. Je pense probablement ce que vous avez, des pelades. Les éléments positifs, c'est qu'on se rend compte de plus en plus, c'est que c'est plutôt favorable, je dirais, d'avoir ça. C'est probablement de bons pronostics sur l'évolution du Sézarie. Et comme vous le décriviez pour vous-même, souvent quand on a des éruptions de ce type-là, des réactions de ce type-là, on a plutôt un très bon pronostic et une bonne réponse au traitement. La plupart de ces effets secondaires-là vont disparaître dans le temps. Parfois, ils sont assez modestes et nous permettent de poursuivre le traitement. Parfois, on doit l'interrompre, puis on reprend. On peut souvent, dans la majorité des cas, on peut reprendre le traitement, si on a besoin. Parfois, on n'a pas besoin, parce qu'on a une tellement bonne réponse après l'éruption qu'on peut rester sans traitement. J'ajouterais volontiers... Je vous remercie beaucoup. Je vous en prie. J'ajouterais volontiers là-dessus que, en fait, ce type d'effet secondaire, comme vous le décrivez, madame, c'est... quelque chose qui est très nouveau parce que c'est apparu avec ce nouveau traitement et c'est quelque chose que nous avons les uns et les autres constaté très récemment et vis-à-vis duquel, c'est vrai, on était un petit peu démunis sur le traitement. Et dans le congrès que nous avons eu depuis deux jours, eh bien, on a énormément échangé justement sur ce type de fait secondaire, sur le fait qu'il était effectivement, il semblait associé à la réponse au traitement et au bon pronostic. Et voilà, et on commence aussi à échanger sur finalement quel peut être le traitement le plus efficace de ce type d'effet secondaire. Donc il y a vraiment des vous êtes un peu dans votre histoire, je dirais, à la frontière du progrès médical. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup de votre réponse. Restez, si vous voulez bien rester, madame. Il y a une personne qui veut bien témoigner, justement, qui a vécu ce que vous vivez et qui est d'accord pour témoigner sur l'évolution, si vous voulez bien, madame. J'ai le syndrome de Sézarie et j'ai été traitée par Mogamulizumab. Au bout de 8 mois... tout allait bien, c'est vrai que j'allais de mieux en mieux, donc j'étais contente. Et au bout de 8 mois, en effet, j'ai les cheveux qui ont commencé à tomber. Et j'ai eu une pelade, mais tous les cheveux sont tombés. Mais paradoxalement, j'avais les cheveux qui tombaient, mais je me sentais de mieux en mieux. Donc c'était comme ça, quoi. Donc le médecin qui me suivait m'a dit, bah, écoutez, là, on est en plein Covid, on va suspendre le traitement quelques mois, et après, on verra bien. Finalement, au bout de quelques mois, il fallait que je reprenne le traitement, parce qu'au niveau de ma peau, j'avais des lésions qui commençaient à revenir. Donc, on m'a dit, avant que ça aille dans le sang, il vaut mieux reprendre votre traitement Mogamulizumab. Alors, j'ai dit oui, j'ai repris. Donc, je vais régulièrement, tous les 15 jours...
faire ma perfusion de mogamulizumab. Et miracle, miracle, les cheveux ont repoussé, alors que tout le monde me disait, mais on ne sait pas. Et comme c'est des cas uniques, bon, et comme je me sentais de mieux en mieux, ben, j'ai dit, ben, j'y vais. Donc j'ai porté une perruque qui m'allait finalement. Tout le monde me disait, oh, t'as ton nouveau look, il est bien. Je disais, ouais, c'est bien sympa. Enfin bon, hein, la plage, c'est pas terrible. Et enfin, bon, il y a plein de. C'est dur à vivre. Mais physiquement, je vais bien. Et maintenant, j'ai les cheveux qui ont repoussé, tout bouclé. Je continue et tout va bien. Voilà, donc c'était pour vous dire ben, bon courage. Et puis, il ne faut pas avoir peur de reprendre le traitement si besoin. Voilà, parce que c'est plus important de reprendre ce que j'ai compris que d'avoir le césarie, quoi. Donc voilà, donc bon courage. Merci beaucoup, parce qu'un témoignage personnel, c'est vrai que pour une patiente, c'est très très important. C'est vrai que... Oui, oui. Bon, on n'a plus d'autres questions, Céline ? Non ? Si, on a d'autres questions, je viens de donner la parole à une autre personne qui va la prendre tout de suite, je pense. Bon. Oui, bonjour. Voilà, j'ai été soignée moi aussi pour un syndrome césarie avec le mogamulizumab et j'ai eu exactement le même problème de cheveux. Enfin, c'était plutôt comme un bouton, un énorme bouton, Madame Bellobari doit s'en souvenir. Ça m'a très très bien réussi. Ça fait 4 ans maintenant que je n'ai plus de traitement du tout. Et même si j'ai quelques moments de démangeaison depuis quelques temps, là, je suis très, très bien. Mais c'est vrai que... Alors, par contre, les cheveux n'ont pas repoussé, mais c'est une pastille qui est, je ne sais pas, comme une pièce d'un euro. Quoi. C'est rien, c'est derrière. Mais c'est vrai qu'à l'époque, on avait été très surpris. On ne savait pas trop ce que c'était. Et voilà. C'était déjà il y a 4 ans, hein. 5 ans même, puisque c'était... Donc je vais prendre la parole, puisque j'ai été interpellée, je vous ai reconnue. Donc effectivement, il y a plusieurs types d'atteintes que l'on peut avoir secondaires à la prise de mogamulizumab au niveau du cuir chevelu, celles que vous avez décrites, madame, avec la pelade, mais effectivement d'autres types d'atteintes qu'on connaît maintenant mieux et qu'on apprend finalement en discutant entre nous, comme l'a dit le professeur Grange, à mieux gérer avec là où le cuir chevelu est rouge. Alors, ça peut être simplement une zone, parfois ça peut être tout le cuir chevelu. Donc c'est vrai qu'on est face à ces effets un peu inattendus, mais qui sont liés finalement à cette molécule et qu'on espère pouvoir de mieux en mieux gérer, justement pour pouvoir reprendre la molécule lorsque c'est nécessaire. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'on peut passer à la présentation suivante avant et puis on fera la pause à 16h alors. Donc, la présentation suivante va être le 2 décembre. Pardon, on pose juste une question qui est peut-être assez facile. Est-ce qu'il est possible de cumuler un mycosis fongoïde et un syndrome de césarie ? Alors, on ne cumule pas vraiment. On peut. C'est assez rare. C'était peut-être un syndrome de césarie dès le départ qui n'a pas été dépisté. Et puis parfois, effectivement, on passe de l'un à l'autre. C'est assez rare. Tout ça, c'est des lymphomes décutanés avec une expression variable. En fait, voilà. Donc, le professeur Marie Bellobari de Bordeaux va nous parler des lymphoproliférations CD30. Donc, bonjour à tous, donc, je suis le professeur Marie Bellobari, je suis à Bordeaux et je vais vous parler, comme l'a dit le professeur Bagot, du deuxième type de lymphoprolifération cutanée T et qu'on appelle CD30 positive. Alors, de quoi parle-t-on ? On parle d'une multiplication dans la peau de lymphocytes qui sont des lymphocytes T, donc qui expriment des marqueurs T. Et ces lymphocytes T, ils expriment en plus à leur surface une protéine particulière, qui est une protéine qu'on peut appeler d'activation, qu'on appelle CD30. Et donc, on peut reconnaître cette protéine sur les biopsies grâce à un anticorps spécifique anti-CD30. Et là, il va y avoir ce marquage qui va permettre de montrer que ces cellules expriment cette protéine CD30.
Alors, quand on parle de lymphoprolifération cutanée CD30, en fait, on parle de deux choses principales. On parle des lymphomes cutanés à grande cellule T CD30 et on parle de la papulose lymphomatoïde. Et tout ceci, ça représente un petit peu plus de 20% de tous les lymphomes cutanés. Donc, ça vient après le mycosis fongoïde qu'on a vu précédemment. Alors, il faut savoir, petite mention, que cette protéine d'activation peut parfois être exprimée par des lymphocytes en dehors de ces lésions de ces lymphoproliférations, dans des lésions cutanées banales. Par exemple, si on biopsiait une piqûre de moustique, eh bien, on peut trouver cette protéine exprimée par des lymphocytes, par quelques rares lymphocytes, c'est de l'activation. Donc, ça ne veut pas dire, quand on a sur une biopsie, il y a du CD30, que c'est forcément ça. Donc, là encore, ça rejoint ce qu'on vient de dire tout à l'heure, c'est très important d'avoir une bonne expertise anatomo-clinique, c'est-à-dire à la fois sur la biopsie et sur la clinique. Alors, c'est donc un spectre, c'est lymphoprolifération CD30, de maladies qui se ressemblent un peu par certaines caractéristiques communes et qui peuvent parfois être associées chez un même patient, soit en même temps, soit l'une après l'autre. Donc d'un côté, on va voir la papulose lymphomatoïde et de l'autre côté, le lymphome cutané à grande cellule CD30. Alors, je commence par le lymphome cutané TCD30. Alors, vous voyez, il a une clinique assez impressionnante. Ça touche plutôt l'adulte, d'âge moyen 60 ans. Le plus souvent, c'est une tumeur unique. Parfois, ça peut être plusieurs tumeurs localisées. Beaucoup plus rarement, c'est des lésions disséminées. Donc, tumeur le plus souvent, parfois nodule. Donc là, je vous ai mis quand même des lésions assez volumineuse, celle du milieu en bas, c'était un patient jeune qui avait une lésion de plus petite taille. Et alors, ce qui est caractéristique, c'est une évolution assez rapide. Autant le mycosis fongoïde, ben, ça arrive petit à petit sur plusieurs mois, voire plusieurs années. Autant là, vraiment, c'est très rapide. En quelques jours, deux semaines, par exemple, ça peut apparaître très rapidement. Ce qui est aussi assez caractéristique, c'est que les lésions sont volontiers ulcérées. Comme vous le voyez, là, vous voyez que la surface se creuse, il peut y avoir une évolution nécrotique. Or, tout ceci se passe, c'est impressionnant pour le patient, pour le premier médecin qu'il consulte, si jamais le médecin ne connaît pas trop cette chose. Et par contre, l'état général est bon, on n'est pas fatigué, il n'y a pas de signe particulier. Donc, une présentation impressionnante, mais je dois dire tout de suite que c'est une maladie qui a un excellent pronostic. Alors, ce qui est aussi caractéristique dans ce lymphome cutané à grande cellule TCD30, c'est qu'il peut y avoir une régression spontanée. Finalement, les cellules, elles vont auto-involuer. Et cette régression spontanée, elle peut être totale, tout disparaît, comme chez cette patiente dont je vous ai mis les photos. Donc, vous voyez, elle avait une grosse tumeur au niveau de la lèvre. Et le temps de récupérer la biopsie, 15 jours, 3 semaines plus tard, tout avait disparu complètement. Et cette patiente, finalement, d'ailleurs, elle n'a eu aucun traitement. Parfois, ça peut être une régression qui est seulement partielle. Donc, la tumeur va s'affaisser un petit peu, mais pas complètement. Autre chose, parfois, ce lymphome cutané à grande cellule TCD30, il peut être associé, donc soit en même temps, soit avant, soit après, à une papulose lymphomatoïde dont je vais vous parler un petit peu après. Alors, comment fait-on le diagnostic? Eh bien, c'est comme pour le mycosis fongoïde, comme pour le syndrome de Sézary, la biopsie cutanée est très importante. Alors là, on fait souvent la biopsie cutanée avec plutôt un bistouri à lame, comme ça, parce qu'il faut quand même avoir une biopsie de taille suffisante pour qu'elle soit bien analysable par l'anatomopathologie. C'est un infiltrat qui est plus profond que dans le mycosis fongoïde au niveau de la peau. Et donc, on va voir au microscope des grandes cellules qui exprime cette protéine CD30. Donc la biopsie de peau, c'est vraiment l'examen central. Et puis bien sûr, l'examen clinique pour vérifier est-ce qu'il n'y a qu'une lésion, est-ce qu'il y en a plusieurs, est-ce qu'il y a d'autres types de lésions, vérifier qu'il n'y a pas de ganglion, vérifier qu'il n'y a pas d'autres anomalies par ailleurs. Alors ensuite, quel bilan? Alors le bilan, c'est donc l'examen clinique, comme je vous le disais, vérifier qu'il n'y a pas d'autres lésions de la peau, vérifier l'absence de ganglion. En général, on fait un bilan sanguin. On fait un scanner thoraco-abdominopelvien. Parfois, on fait un TEP scanner, mais le plus souvent, c'est un scanner. Et normalement, tout ce bilan, il doit être strictement négatif, puisque si on est dans un lymphome primitif cutané TCD30, eh bien, c'est un lymphome qui est purement développé
au niveau de la peau, il n'y a pas d'autre atteinte au niveau des ganglions. Alors, en règle générale, la biopsie ostéomédulaire qu'on fait parfois dans des bilans de lymphome n'est pas indispensable dans ce type de lymphome cutané. Alors, ce bilan, il permet en particulier d'éliminer deux grandes choses. Alors, par le bilan, ça permet d'éliminer une localisation à la peau d'un lymphome ganglionnaire CD30, parce qu'il existe des lymphomes ganglionnaires qui ont aussi ces grandes cellules qui expriment aussi cette protéine CD30. Et alors, ces lymphomes ganglionnaires CD30, parfois, ils peuvent donner des localisations à la peau. Donc, si le lymphome ganglionnaire, par exemple, il n'était pas connu et que le patient se présente avec une tumeur cutanée qui est d'abord visible, eh bien, on va découvrir le lymphome ganglionnaire. Et alors là, ce n'est pas du tout la même prise en charge que le lymphome cutané primitif CD30. Ça, ce sera un dossier qu'on va discuter avec nos collègues hématologues et qui prendront en charge le patient. Par l'examen clinique et l'histoire de la maladie aussi, les antécédents, on va vérifier qu'il n'y avait pas un autre lymphome avant et en particulier un mycosis fongoïde. Caroline Ramwolf vous a montré tout à l'heure que les mycosis fongoïdes, il pouvait y avoir des plaques, mais il pouvait y avoir parfois des tumeurs qui correspondent à ce qu'on appelle le mycosis fongoïde transformé, avec des grandes cellules qui sont visibles au niveau de l'infiltrat. Parfois, celles-ci sont CD30 positives, parfois non. Et là, lorsque le mycosis fongoïde s'accompagne de tumeurs et est transformé, là, ce n'est pas du tout la même chose que si c'était primitivement un lymphome cutané à grandes cellules TCD30, comme je vous l'ai décrit, où c'était finalement une tumeur qui apparaît comme ça, alors qu'il n'y avait rien avant. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Le traitement sera également différent. Donc, on fait d'abord ce bilan pour bien être sûr. Est-ce que c'est bien un lymphome cutané à grandes cellules TCD30 sans autre lésion ailleurs? Alors, comment traiter? Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est très important, bien sûr, de valider le diagnostic. Donc, valider le diagnostic, c'est par la confrontation. Donc, pour des experts assez habitués dans un membre d'un réseau, eh bien, on fait en général une RCP locale ou régionale qui voit ce dossier. On présente les photos, l'histoire de la maladie, on vérifie les lames et on valide le diagnostic. Parfois, on peut avoir plus de difficultés et là, on va le rediscuter au niveau national tous ensemble. Mais déjà, le niveau régional permet le plus souvent de valider les choses, mais toujours avec cette confrontation, cette RCP. Et alors, le traitement qu'on va choisir, eh bien, il va dépendre du stade. Alors, les stades, en fait, on a trois grands stades au niveau de la peau. Soit c'est une tumeur unique, soit c'est plusieurs tumeurs, mais qui sont un peu localisées dans le même endroit, par exemple, deux ou trois lésions au niveau de l'avant-bras. Ou bien ce sont des lésions cutanées multiples. On en a sur le tronc, sur les bras, que sais-je. Et puis, on tiendra compte aussi d'une régression spontanée. Surtout s'il a été total, ben parfois, on aura finalement plus de tumeurs à traiter, comme la lèvre que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, une fois qu'on a fait ça, prenons la situation d'une atteinte localisée unique ou bien loco-régionale. C'est-à-dire que vous avez plusieurs tumeurs mais qui sont nodules, mais qui sont localisées dans un même endroit, une même zone. Soit la lésion a totalement régressé, ça peut arriver, on peut faire une abstention thérapeutique, on ne fait rien, on surveille le patient et c'est tout. Parfois, c'est une régression qui est partielle. Là, c'est assez un peu affaissé, mais il reste quelque chose. Et bien, à ce moment-là, le traitement, c'est surtout de la radiothérapie. Donc là, il y a plusieurs modalités de radiothérapie. C'est vrai qu'actuellement, on a quand même tendance à diminuer le nombre de séances de radiothérapie. Bon, ça dépend de la technique utilisée. Mais c'est une radiothérapie donc, qui est vraiment adaptée à la peau, qui se fait sur quelques séances pour faire, entre guillemets, fondre cette tumeur. Et une fois que le traitement par radiothérapie est fait, eh bien, c'est fini, on passe dans la phase de surveillance. Donc, ce traitement par radiothérapie, il n'a pas d'effets secondaires généraux, c'est vraiment quelque chose qui est uniquement au niveau de la peau. Parfois, s'il s'agit d'un nodule ou d'une tumeur de plus petite taille, on peut proposer de la chirurgie, mais bon, c'est quand même pas idéal parce que la chirurgie, souvent, enlève que vraiment la tumeur et parfois, il peut y avoir quand même des récidives après chirurgie. Donc, c'est quand même plus la radiothérapie qui est le plus souvent privilégiée dans cette situation-là. Alors ensuite, on a des patients qui ont donc une atteinte loco-régionale qui peut être plus étendue ou multiple. Alors,
plutôt que de faire plusieurs champs de radiothérapie, on peut le faire hein, quand même, on dit même que jusqu'à 5 champs de radiothérapie, on peut éventuellement le faire, mais bon, ça commence à faire parfois beaucoup, eh bien, vous retrouvez les traitements dont on vous a déjà parlé, en tout cas pour deux d'entre eux, et en particulier le méthotrexate, pour lequel c'est le médicament pour lequel il y a le plus de données dans le lymphome cutané à grandes cellules TCD30, eh bien, on peut proposer du méthotrexate chez des patients qui ont des lésions multiples. Le bexarotène peut aussi être proposé, la radiothérapie multichamp, je vous le disais. Et puis, tout ceci, ça permet dans un grand pourcentage de cas que ça aille très bien, mais parfois, c'est vrai qu'il existe un petit pourcentage de personnes qui ont une atteinte multiple, qui ne répond pas bien, ou bien qui va récidiver souvent, et qui ne répond plus au méthotrexate, par exemple. Eh bien, on peut décider différents protocoles de chimiothérapie, donc ça se discute encore une fois en RCP, ou bien un anticorps qui est dirigé spécifiquement contre la protéine CD30, je vais vous en parler dans la diapositive après. S'il y a une atteinte ganglionnaire qui est au niveau de l'aire de drainage, qu'est-ce que ça veut dire l'aire de drainage? Ça veut dire c'est le ganglion qui draine la zone où est la tumeur. Par exemple, si vous avez une tumeur au niveau du bras, eh bien, c'est au niveau axillaire. Et donc, en fait, les personnes qui ont juste un ganglion au niveau, par exemple, de la zone de drainage, il n'y a rien ailleurs, eh bien, ils sont un petit peu entre les deux, entre le patient qu'on va traiter en hémato et le patient en dermato. Et on a plutôt tendance, ces patients-là, à les considérer quand même comme des lymphomes cutanés et donc à les traiter avec des protocoles qui vont être discutés en RCP un petit peu au cas par cas, mais qui sont plus légers que ceux qu'on fait en hématologie. Et encore une fois, s'il y a une atteinte ganglionnaire à distance, là, c'est la RCP d'hématologie, c'est plus la RCP donc aux dermatologies. Alors juste un mot sur cette molécule qui est une molécule qui cible le CD30. C'est une molécule qui peut être parfois discutée dans des cas très particuliers, réfractaires au méthotrexate, ce qui reste quand même exceptionnel, et qui a été comparée à des traitements plus classiques comme le bexarotène et le méthotrexate, et permettant des taux de réponse très intéressants. Donc ça, c'est vraiment du cas par cas et dans des cas très très exceptionnels pour les lymphomes cutanés CD30. Ce qu'il faut retenir, c'est que dans la très très grande majorité des cas, eh bien, c'est un lymphome qui a un excellent pronostic pour la majorité, même presque la totalité des patients. On a 90 à 95% de survie à 5 ans, donc c'est vraiment très bon pronostic. C'est vrai qu'il peut y avoir en petit bémol des récidives cutanées, ce n'est pas exceptionnel. La plupart des patients, ils ont une tumeur et puis on n'entendra plus parler après, mais un petit pourcentage de patients peuvent avoir des tumeurs qui reviennent. Et bien, à ce moment-là, on applique le même raisonnement, mais on va les traiter de la même façon. Et puis, comme je vous le disais, il existe beaucoup plus rarement des patients qui ont des maladies un peu réfractaires ou plus difficiles à traiter. Alors, il semblerait que le fait d'avoir au départ des lésions multiples, d'avoir des lésions au niveau des jambes, d'avoir une récidive assez précoce, soit des éléments qui sont un peu moins bons pour le pronostic, mais ça encore, c'est vraiment des cas particuliers qui sont à mettre un petit peu à part. La surveillance des patients, eh bien, elle est clinique. On ne refait pas des scanners régulièrement, hein. on les surveille cliniquement tous les 6 mois, pendant une moyenne de 3 ans. Moi, personnellement, c'est vrai qu'une fois que le diagnostic a été posé, le traitement a été fait par radiothérapie, on se revoit une ou deux fois, mais très souvent, ben, finalement, on alterne avec le dermatologue libéral qui a connu le patient au départ. On discute ça, c'est un peu au cas par cas, selon le souhait du patient, selon le souhait du dermatolibéral, c'est selon l'endroit où habite chacun. Donc au total, une prolifération maligne de lymphocytes dans la peau, qui parfois peut régresser spontanément, le plus souvent une tumeur unique nécrotique d'apparition rapide, vérifier au bilan initial qu'il s'agit bien d'un lymphome cutané primitif, on valide en RCP, c'est très impressionnant, mais le pronostic est excellent, des récidives restent possibles, il faut le dire aux patients, une surveillance clinique est nécessaire, des formes diffuses ou résistantes au méthotrexate sont exceptionnelles et il existe d'éventuelles nouvelles options pour traiter. Je passe maintenant à la papulose lymphomatoïde. Vous voyez, ça ressemble un peu en petit. C'est-à-dire que les lésions sont beaucoup plus petites. C'est des papules disséminées. L'âge moyen est de 45 ans, mais il peut y avoir quand même des formes chez la pédiatrique ou chez l'adolescent. Donc, des plus petites lésions. Et là encore, il y a souvent cette évolution nécrotique. Ce n'est pas toujours. Hein. Parfois, ça peut ressembler comme une espèce de grosse piqûre d'insecte. Mais parfois, il y a cette évolution nécrotique, comme je vous ai mis en bas, là. Et puis là, toutes les lésions régressent.
Alors, parfois, il peut y avoir plusieurs poussées qui se suivent, donc du coup, tout ne régresse pas en même temps. Mais là, on sait que ce sont des poussées où toutes les lésions vont régresser spontanément. Donc, ça peut être variable, donc 4 à 6 semaines environ. Il peut y avoir des personnes qui vont faire une poussée et puis d'autres qui vont faire plusieurs poussées qui se suivent. Parfois, ça peut être une poussée un an, une poussée un an d'après. Donc, c'est assez imprévisible comme nombre de poussées. La survie est excellente dans cette papulose lymphomatoïde. Comment fait-on le diagnostic ? C'est toujours pareil. Alors là, c'est vrai que on n'est pas forcément obligé de prendre le bistouri à lame. On peut prendre un bistouri ponche à condition quand même d'en prendre un d'un diamètre suffisant. Et on va voir un infiltrat qui est en général beaucoup moins dense en lymphocytes exprimant le CD30. Ça, c'est l'expression que je vous ai mis en haut. Parfois, il peut y avoir des formes qui, au contraire, sont beaucoup plus riches et qui ressemblent sous le microscope à un lymphome. Mais par contre, quand l'anapathe discutera le dossier avec nous en RCP, on dira ben non, là, c'est une clinique qui est celle d'une papulose. Donc, on sait qu'il peut y avoir parfois des formes un petit peu trompeuses. Et toujours cette nécessité de bien confronter l'examen clinique, qui par ailleurs est normal. Les patients ils vont par ailleurs bien, sauf qu'ils ils sont un peu contrariés d'avoir ces lésions quand même qui apparaissent et qui pour certaines sont quand même assez affichantes, surtout lorsqu'elles sont nécrotiques. Parfois ça peut être beaucoup plus léger. Et puis donc faire ce diagnostic avec la biopsie. Quel bilan ? Le bilan, en général, il n'y a pas d'autre bilan que l'examen clinique. En général, on fait des examens biologiques ou radiologiques uniquement s'il y a des points d'appel clinique. On peut faire éventuellement une biologie, mais en fait, en pratique, ça n'apportera pas grand-chose. Mais j'ai mis quand même dans mon rectangle, là, que ces papuloses, il faut savoir, et ça aussi, il faut savoir l'expliquer, ce n'est pas toujours facile à expliquer, que 10 à 20% environ des patients ont des associations avec un autre lymphome. Donc on est dans une prolifération d'un excellent pronostic qui est autorégressive, mais on sait qu'il peut y avoir d'autres associations, un mycosis fongoïde, parfois un lymphome cutané CD30, donc on reste quand même dans des choses qui se voient au niveau de la peau et qui seront dépistées à l'examen clinique, et beaucoup plus rarement des associations avec des lymphomes ganglionnaires. Alors c'est parfois pas en même temps, ça peut être soit il y a eu d'abord un des antécédents de lymphome ganglionnaire et ensuite le patient va avoir une papulose lymphomatoïde, ou bien ça peut être au cours de l'évolution. Donc ça reste vraiment un petit pourcentage, mais c'est ça qui va justifier qu'il va falloir surveiller les patients, comme je vais vous le dire juste après. Alors d'abord, comment on traite ? On traite en s'adaptant au nombre de lésions, à leur rythme. On ne va pas traiter pareil s'il y a trois papules ou nodules ou s'il y a plein de lésions partout sur tout le corps, sur leur évolution nécrotique ou non, sur le fait que ça laisse des cicatrices ou non. Si vous avez des lésions nécrotiques comme ça, il va y avoir des cicatrices. Et puis à la demande du patient. Il y a des patients qui vont être finalement pas très demandeurs et qui savent que ça régresse. D'autres, au contraire, qui vont très mal supporter tout ça. Il faut bien expliquer les objectifs du traitement. Donc c'est vraiment une discussion qui est très importante lors de cette première consultation et d'ailleurs des suivantes. Donc comment traiter ? Je propose très, très clairement, très, très schématiquement, si c'est très discret, soit on peut parfois ne rien faire ou mettre des dermocorticoïdes, en sachant que les corticoïdes, donc les crèmes corticoïdes, ça va surtout aider à ce que les lésions partent un peu plus vite, mais ça n'empêche pas qu'il y en ait d'autres qui arrivent. Parfois on peut utiliser la chimiothérapie locale, le LEDAGA. Parfois on peut utiliser de la photothérapie lorsque les lésions sont plus diffuses. Et puis dans des formes qui vont être plus importantes, plus avec des poussées répétées, plus fréquentes, une évolution cicatricielle, parfois on peut discuter aussi le méthotrexate ou le bexarotène. Alors j'ai mis le pratuximab, donc ce fameux anticorps anti-CD30 avec un point d'interrogation, parce que certes il a été testé dans des essais cliniques, mais franchement dans une papulose lymphomatoïde, c'est quand même pas extrêmement logique de le proposer. Le pronostic, l'évolution, comment surveiller ? Donc ça, c'est toute l'explication qui est très importante à avoir, et parce que c'est vrai que c'est un peu pas très facile à expliquer. Le pronostic est excellent. Il n'y a pas de facteur prédictif du nombre de poussées et de l'évolution. Est-ce qu'il va y avoir ? Est-ce que ça va se reproduire ? Je ne peux pas répondre vraiment à cette question. Est-ce qu'il y a une cause à cette papulose lymphomatoïde ? Parce que c'est un côté un peu éruptif. Il y a eu beaucoup d'hypothèses qui ont été faites, mais il n'y a pas vraiment de cause particulière. Il n'y a pas de facteur prédictif non plus vraiment consensuel sur l'apparition éventuelle d'un autre lymphome. Et donc le suivi, il doit quand même être poursuivi, suivi clinique. Donc c'est vrai qu'en général on propose un suivi
annuelle, par exemple, initialement, une fois que les poussées ont été résolues. Et puis, c'est vrai qu'on essaie aussi ensuite de mettre en place, surtout si c'est un adulte jeune qu'on voit au départ, un peu une autosurveillance, un peu d'adapter, de dire, voilà, si jamais vous voyez apparaître quelque chose, vous revenez me voir. Et donc là, j'ai mis, pour Suzanne aussi, ces fiches qui sont dans le JAMA Dermatologie, qui sont en anglais, donc, et qui sont des fiches d'explication aux patients et que je trouve parfaites, particulièrement bien faites. Donc, au total, une prolifération de lymphocytes atypiques dans la peau qui régresse spontanément, qui évolue par poussée avec une durée et un nombre de lésions variables, des papules, parfois d'évolution nécrotique, parfois qui laisse des cicatrices. C'est plus ou moins invalidant en fonction de ça. Le pronostic reste excellent, mais il faut savoir qu'il y a une possible association avec des lymphomes, surtout cutanés. Et le traitement, il est vraiment adapté à la gêne, nombre de lésions, les poussées et à la demande du patient. Et la surveillance clinique doit être poursuivie, mais pas d'examen biologique ou radiologique systématique. Voilà, je vous remercie. Je vous mets une petite vue de Bordeaux. Je rappelle qu'on est dans ce congrès où on a beaucoup parlé de ces problématiques au cours des sessions scientifiques. Je rappelle l'affiche, le livret qui explique les lymphomes cutanés qui a été fait par l'association de patients en lien avec le CHEVEL, qu'on relaie aussi des informations sur le site Dermato-Info du grand public de la Société française de dermatologie. Voilà. Donc, si vous avez des questions, à votre disposition. Merci beaucoup pour cet exposé très clair. Alors, est-ce qu'on a des questions avant la pause, Céline ? Non, pas de questions ? Voilà. Bon, alors, on fait combien ? Oui ? Ah oui, pardon. Je suis toujours là pour poser des questions. Je voulais juste revenir sur le diagnostic des lymphomes cutanés. Vous avez mentionné que les lymphomes cutanés, c'est des 30 positifs, primitifs. Généralement, les traitements sont assez efficaces, mais vous avez quand même montré des photos avec des lésions qui étaient assez sévères. Je me demandais combien de temps prend ce diagnostic pour un patient atteint de ce sous-type de lymphome ou d'autres, parce que j'ai l'impression qu'ils arrivent quand même relativement tardivement. C'est une tumeur un peu explosive qui apparaît très très rapidement. Ça peut être en 15 jours, 3 semaines, la tumeur elle grossit de manière très très exponentielle. C'est pas comme certains cancers cutanés qui sont pris très tardivement. C'est pas comme le mycosis fongoïde qui d'ailleurs est souvent caché. Là vraiment ça apparaît très rapidement et en général les patients, vu comme c'est impressionnant, ils consultent assez vite. Ils consultent assez vite, ils voient leur médecin. Alors, c'est vrai qu'il y a parfois certains médecins voyant cette tumeur qui apparaît très vite, pensent pas que ça peut être quelque chose pour lequel il faut une expertise dermatologique et adressent directement un chirurgien. Ça, on voit quand même régulièrement des patients qui, par un mauvais parcours, sont adressés directement à un chirurgien. Mais le plus souvent, en tout cas, ces patients, ils arrivent rapidement, mais des tumeurs, effectivement, très impressionnantes. Elles ont l'air évoluées, mais elles évoluent depuis peu. Et ça répond très bien au traitement. Ça fond vraiment très rapidement en radiothérapie. En général, ça commence déjà à s'affaisser spontanément et ensuite, ça part très rapidement. Merci beaucoup. Non, c'est très clair et c'est rassurant, en fait. L'autre question, c'est, je voulais toujours sur un commentaire que vous avez fait, vous avez parlé des adolescents, mais est-ce que ce type de lymphome cutané peut toucher les enfants ? Le CD30 aussi peut toucher les enfants, mais bon, ça reste quand même très très rare chez l'enfant, mais ça peut survenir aussi chez l'enfant. D'ailleurs, sans pronostic différent de chez l'adulte. Il peut y avoir des formes d'ailleurs de papulose lymphomatoïde chez l'enfant qui ressemblent à une papulose lymphomatoïde cliniquement, mais avec à la biopsie, il y a beaucoup de cellules CD30, ou alors l'inverse, ça peut ressembler, ça peut être parfois des formes un peu discordantes chez l'enfant. Donc, vraiment besoin d'une expertise. Et on a souvent des questions sur la cause, l'origine de ça. On demande toujours, mais pourquoi c'est arrivé d'un coup? C'est très, très gênant. La réponse, c'est qu'on ne sait pas, on ne trouve pas de cause. Voilà. Et puis, la maladie finit par s'arrêter. On ne peut pas prédire si ça va être dans un an ou dans 4 ans ou dans 5 ans. C'est vrai que c'est très, très gênant. Et on ne sait pas par quoi ça a été causé. On a cherché des virus à un moment donné, mais bon, tout ça, c'est... Mais l'essentiel, c'est que l'évolution est... En général, extrêmement favorable. Mais... Bon, donc merci beaucoup, c'est fini. Donc, alors, on fait une pause de combien ? 10 minutes. 10 minutes, 15 peut-être ? Allez. Quand vous voulez, 15. Donc, on revient à 16h20 alors.
Voilà, donc les lymphomes, on a parlé de la prolifération CD30 qui représentait à peu près 20% de tous les lymphomes cutanés. Et donc les lymphomes B, c'est un peu pareil. Oui, je vais mettre un diaporama. Voilà. Oui. Voilà. Alors, cette question qui a déjà été abordée, mais forcément qu'on se pose, j'ai un lymphome cutané, qu'est-ce que c'est? Pourquoi j'ai un lymphome cutané? Est-ce que c'est grave? Et qu'est-ce qui va se passer? Voilà. Et ça, c'est un dessin à droite qui a été fait par un patient qui exprime bien comme tout à coup, alors qu'on était aux commandes de sa vie, on devient le jeu de quelque chose qui vous échappe. Et quand je dis le jeu, c'est même parfois l'otage, c'est-à-dire, voilà, on ne commande plus rien. Et donc, c'est vrai que l'information, les discussions, comme on peut les avoir aujourd'hui, ça peut permettre un petit peu de reprendre les choses en main. Je crois que c'est vraiment quelque chose qui est très, très important. Alors, qu'est-ce qu'un lymphome cutané? Alors, qu'est-ce qu'un lymphome? Alors, un lymphome, est-ce que c'est un cancer? Alors, moi, ce mot, il ne me plaît pas pour parler des lymphomes. Hein, parce que si un cancer, c'est une maladie qui, forcément, ou le plus souvent, est grave. Voilà. Et puis, si dans le cancer, on a cette notion de métastase, c'est-à-dire à partir d'un endroit, ça va, par le sang, aller donner des métastases. Et ça, ce n'est pas du tout adapté au lymphome cutané. Et en particulier, ma peau va bien. Sur ma peau, je ne vois rien, mais j'ai peur. J'ai peur qu'il y ait une cellule qui parte et qui, par le sang, aille sur le foie. Eh bien non, dans les lymphomes cutanés, ça n'existe pas. Hein, si votre peau va bien, eh bien tout va bien. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Hein. Ensuite, un lymphome, c'est une tumeur. Ben, oui, peut-être, c'est une tumeur, mais sauf qu'on a vu plein de formes où c'est des papules, c'est des plaques. Là, je vais vous remontrer des papules, des nœuds. Ce n'est pas forcément une tumeur. Voilà. Donc finalement, ce qui va peut-être le mieux, c'est de parler de prolifération néoplasique et de lymphoprolifération, comme nous ont très bien expliqué Caroline et Gaëlle. Voilà. Donc, c'est une lymphoprolifération. Ensuite, un lymphome cutané, eh bien, c'est complètement différent d'un lymphome ganglionnaire. Hein. Et moi, je parle des lymphomes B. Si j'ai un lymphome B et que le compte-rendu d'anatomopathologie me dit que conclut à lymphome folliculaire et que je prends la feuille, je vais sur Internet et je tape lymphome folliculaire, toutes les informations que je vais avoir, elles vont être fausses parce que je vais tomber sur des informations qui concernent les lymphomes ganglionnaires. Hein. Donc les lymphomes cutanés, c'est complètement différent des lymphomes ganglionnaires. Et puis pour terminer, il y a aussi les lymphomes B et les lymphomes T. Je ne reviens pas dessus parce que ça a déjà été largement expliqué avant la pause. Voilà. Pour expliquer les lymphomes B, moi j'aime bien faire un petit détour parce qu'on appelle, alors on appelle moins souvent, mais enfin on peut les appeler encore comme ça, les pseudo-lymphomes cutanés. Hein. Donc les pseudo-lymphomes cutanés, c'est des proliférations dans la peau de lymphocytes en réaction à un stimulus extérieur. Donc ça peut être une piqûre d'insecte, ça peut être des injections dans la peau, par exemple des injections d'un allergène quand on fait une désensibilisation, ou des injections qui sont faites dans la peau à visée cosmétique. Ça peut être une réaction à une morsure de tic, la morsure de tic qui véhicule un germe dans le cadre, par exemple, de la maladie de Lyme. Ou parfois, on peut avoir une prolifération réactionnelle à la prise d'un médicament. Ça, c'est les pseudolymphomes. Et c'est vrai que, je vous ai mis ces photos où à gauche, c'est des pseudolymphomes et à droite, c'est des lymphomes B. Et vous voyez que ça se ressemble beaucoup. Voilà. Mais les pseudolymphomes, donc, le plus souvent, on retrouve une cause. Les pseudolymphomes, le plus souvent, ils vont régresser spontanément. Ou bien, s'ils ne régressent pas spontanément, ils vont régresser avec une crème anti-inflammatoire, donc une crème à la cortisone, un dermocorticoïde, ou avec un antibiotique. Je vous donne quelques exemples très vite. Ça, par exemple, c'est un pseudolymphome dû à donc une désensibilisation à un allergène qui était injecté dans les avant-bras. Et vous voyez qu'il y a, sur la photo de droite, au microscope, une prolifération de lymphocytes qui est importante, qui réalise des nodules. Voilà. Mais ça, ça va guérir quand on va arrêter les injections et avec simplement une crème de type anti-inflammatoire. Un tout petit mot sur les pseudo-lymphomes après piqûre de tic. Donc là, vous voyez en haut à gauche une piqûre de tic. Et puis la photo du milieu, c'est une rougeur qui apparaît sur la peau. C'est le premier stade de la maladie de Lyme. Et un stade plus avancé de la maladie de Lyme, il peut y avoir des nodules. Hein, par exemple, un siège typique de nodule, c'est un nodule au niveau du mamelon, comme vous voyez sur ces photos. Donc si on biopsie ça, on va trouver une prolifération de lymphocytes. Voilà. On est dans le cadre d'un pseudo-lymphome.
qui est due aux microbes de la maladie de Lyme, et il y a une cause, et il y a un traitement très simple, on donne des antibiotiques et ça va être définitivement guéri. Voilà. Donc, autre exemple, les piqûres d'insectes. Si vous avez des piqûres de moustiques, banalement, elles vont disparaître en 3 jours, mais parfois, elles peuvent persister pendant des semaines, des mois. Hein, donc, il peut y avoir des réactions persistantes après des piqûres d'insectes. Si on biopsie ça, il va y avoir une prolifération de lymphocytes, mais ça va finir par disparaître avec les traitements anti-inflammatoires. On est dans le cadre des pseudo-lymphomes. Alors, dans les lymphomes B cutanés, ben, ça donne des lésions qui ressemblent beaucoup aux pseudo-lymphomes, mais il n'y a pas de cause identifiée. Ce n'est pas réactionnel à quelque chose. Ça vient comme ça et on ne sait pas pourquoi. Voilà. Ensuite, ça peut régresser parfois un petit peu, mais ça régresse rarement complètement avec des antibiotiques ou des crèmes à la cortisone. Voilà. Donc, ce sont des proliférations autonomes, comme on nous a expliqué pour les lymphomes T, monoclonales, de cette fois-ci lymphocyte B. Et du coup, comme ça ne régresse pas, ça va finir par nécessité des traitements qui seront des traitements propres pour les lymphomes cutanés, qui seront différents des traitements tout simples qu'on utilise pour les pseudo-lymphomes cutanés. Alors, ces lymphomes B cutanés, donc qui représentent à peu près 25% de l'ensemble des lymphomes cutanés, dans la très grande majorité des cas, c'est-à-dire 85% des lymphomes B cutanés, ont ce qu'on appelle un comportement tout à fait indolent. Et donc là, il y a deux types de lymphomes B cutanés qui ont un comportement indolent, qu'on appelle, alors c'est un petit peu compliqué, lymphome de la zone marginale et lymphome centrofolliculaire, ça dépend un petit peu du type de lymphocyte qui prolifère dans ces lymphomes. Et puis il y a un type de lymphome qui a un comportement qu'on considère intermédiaire, c'est-à-dire plus agressif, mais qui est très rare et qui représente à peu près 15% de tous les lymphomes B et qu'on appelle les lymphomes B à grandes cellules des membres inférieurs. Alors juste, ce lymphome B de la zone marginale, vous voyez que souvent, ça donne des choses comme sur la photo en haut à gauche, qui sont des gros boutons, quoi, des gros boutons, mais ça ne semble pas très inquiétant, et effectivement, ça ne l'est pas. Voilà, vous avez différents aspects cliniques de ces lymphomes B de la zone marginale, qui peuvent toucher aussi bien l'homme que la femme, qui parfois touchent des sujets relativement jeunes, de moins de 50 ans. Souvent, les lésions sont petites et assez multiples. Elles ont une couleur un peu rouge violacée, puis ça évolue. Ça peut être sur le visage, ça peut être sur le tronc, ça peut être sur les membres. Ça évolue pas beaucoup. Parfois, ça régresse un petit peu. Ça peut même parfois régresser complètement, puis ça peut avoir tendance à revenir. Voilà. Donc ça, c'est l'aspect clinique typique du premier type de lymphome B cutané indolent, les lymphomes B de la zone marginale. Le deuxième type de lymphome B cutané indolents, c'est ce qu'on appelle les lymphomes B centrofolliculaires. Donc, ils surviennent un peu plus souvent chez l'homme. Voilà, l'âge moyen, c'est 60 ans. Ça donne souvent des lésions qui sont des plaques ou des nodules, comme vous voyez sur ces photos. Parfois, des tumeurs qui sont souvent pas très nombreuses, qui sont parfois uniques, qui sont souvent localisées dans un seul territoire. Voilà, parfois, il y en a à plusieurs endroits. Et il y a deux endroits très classiques de ce type de lymphome qui sont soit la tête, hein, soit le tronc et notamment le dos. Hein. Et donc, ça évolue très lentement. Et par exemple, si on commente la photo du dessus, à gauche, donc ce que montre cette photo, c'est qu'en 1997, on a enlevé quelque chose chirurgicalement, il y a une cicatrice, et puis ça a récidivé autour de cette cicatrice. Et puis on voit qu'en 2006... on a enlevé de nouveau un petit nodule chirurgicalement, il y a une autre cicatrice, on voit que ça a aussi récidivé autour de cette cicatrice. Voilà, donc ça c'est un mode évolutif assez caractéristique de ces lymphomes B indolents. Ça a tendance à récidiver et c'est pour ça que la chirurgie n'est pas le bon traitement. Alors, si votre médecin vous diagnostique un lymphome B cutané indolent, votre dermatologue, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va d'abord vous examiner complètement pour vérifier que vous n'avez pas de ganglion. Et dans ces lymphomes B cutanés, vous n'avez pas de ganglion. Il va faire des biopsies qui sont des biopsies spécialisées, pour lesquelles il doit y avoir une expertise, qui vont confirmer le diagnostic. Et une fois ce diagnostic confirmé, il va vous faire une prise de sang qui là aussi sera une prise de sang assez détaillée, pas forcément la prise de sang tout venant du laboratoire qui est à côté de chez vous. Et puis il va vous faire un scanner. Voilà. Et puis par contre, il ne va pas vous faire, on ne fait plus
d'exploration invasive de type, par exemple, une ponction de moelle ou une biopsie de moelle. Voilà. Et une fois que tout ça sera fait, on aura le diagnostic de lymphome B-indolent, alors les antibiotiques, les crèmes à la cortisone, on peut parfois en donner, parfois ça a un certain effet. Voilà, parfois même, quand il y a des petites choses qui ne bougent pas, qui sont peu gênantes, on n'est pas obligé de traiter. Il n'y a pas le feu, ce n'est pas dangereux. On peut se contenter de surveiller. Et puis, si les lésions progressent, si elles deviennent gênantes, alors on décide ensemble d'un traitement. Et ce traitement, ça va être le plus souvent soit une radiothérapie, comme on en a déjà parlé, soit le rituximab. Alors, je vais vous parler un petit peu de ces deux traitements. La radiothérapie. Donc, la radiothérapie, c'est très impressionnant, c'est très technique, ça fait énormément de progrès depuis plusieurs années, la radiothérapie. Ça donne, enfin, c'est beaucoup plus au point que c'était il y a 30 ans, hein, ça donne beaucoup moins d'effets secondaires. Voilà. Donc la radiothérapie, elle est intéressante. Si les lésions ne régressent pas, si elles deviennent gênantes, et puis qu'elles ne restent pas très nombreuses. Hein, s'il y a des lésions partout, on ne va pas faire de la radiothérapie partout. Voilà. Alors, elles sont faites dans des services très spécialisés de radiothérapie. Et pour les lymphomes, pour ces lymphomes cutanés B, on va utiliser des faibles doses, hein, encore plus faibles peut-être que ce que le professeur Bellobari nous a montré pour les lymphoproliférations CD30. On utilise des faibles doses, donc à ces doses-là, il y a très peu d'effets secondaires. Donc souvent, ça va faire 3 séances par semaine pendant 1 à 2 semaines. Voilà. Le plus souvent, le résultat, c'est une régression complète des lésions qui ont été traitées par radiothérapie. Le deuxième traitement, c'est le rituximab. Donc le rituximab, c'est un anticorps. C'est toi qui vas montrer, Martine, parce qu'on n'a pas de flèche. Voilà. Donc c'est un anticorps. Donc à la surface des cellules tumorales, vous avez... C'est tout en haut. Voilà. À la surface des cellules tumorales, vous avez une protéine qui s'appelle le CD20. Et donc, le rituximab, c'est un anticorps anti-CD20. Donc, cet anticorps va cibler ces cellules tumorales qui expriment cette protéine CD20. Et donc, elles vont être fragilisées, elles vont être détruites. Le système immunitaire va s'activer contre elles et ces cellules vont disparaître. C'est comme ça que ça marche, le rituximab. Alors, le rituximab, il est intéressant pour les formes qui ont des lésions qui sont assez étendues ou nombreuses, pour lesquelles on ne peut pas faire de radiothérapie. Donc, c'est des perfusions qui se font en hôpital de jour. C'est des perfusions qui durent plusieurs heures. Ce n'est pas un truc qu'on va vous passer en un quart d'heure ou une demi-heure. C'est quelque chose qu'on perfuse très, très prudemment, notamment pour la première perfusion, parce qu'il y a un petit peu comme avec le mogamulizumab dont on a parlé, mais même souvent plus, des réactions à la perfusion. C'est-à-dire pendant la perfusion, il peut y avoir des sensations de malaise, un peu des rougeurs sur la peau, un peu de... Voilà. Le patient ressent des réactions à la perfusion, on va ralentir le débit jusqu'à ce qu'il soit bien, pour reprendre doucement, voilà. Donc la première perfusion de rituximab, la première fois, ça peut durer 6 ou 7 heures, voilà. Mais on rentre à la maison le soir, et les perfusions suivantes, une fois que l'organisme s'est habitué, en général, ça se passe, il y a beaucoup moins de réactions, et donc ça va plus vite. Donc en général, on fait 4 perfusions à une semaine d'intervalle, et puis on revoit ensuite notre patient au bout de 3 mois, et dans 90% des cas, on a une régression complète de toutes les lésions de lymphome B. Alors, il y a un truc qui est très, très important avec ce rituximab qui va donc entraîner la disparition des cellules B tumorales, va aussi entraîner une certaine disparition des lymphocytes B qui fabriquent des anticorps. Hein. On a encore des anticorps, mais on est fragilisé par rapport à un certain nombre d'infections. Hein, notamment les infections virales. Donc, classiquement, c'était la grippe, et maintenant, c'est le Covid. Hein, donc, clairement, quelqu'un qui va recevoir du rituximab, il faut impérativement qu'il soit vacciné contre le Covid. Hein, parce que c'est quand même dommage pour un lymphome qui n'est pas grave de faire une infection Covid qui, du coup, va être très grave parce qu'on a reçu du rituximab. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Et je dirais même que les personnes qui reçoivent du rituximab, et même si elles sont vaccinées, elles doivent continuer à respecter les gestes barrières parce que peut-être elles restent quand même un petit peu affaiblies par rapport à des personnes vaccinées qui n'ont pas reçu le rituximab. Donc ça, c'est vraiment une chose qui est très, très importante à savoir aujourd'hui. Et d'ailleurs, pendant la pandémie de Covid, on s'est tous arrêtés de prescrire du rituximab pour nos patients qui avaient un petit lymphome B qui n'était pas inquiétant. Et on leur a dit, écoutez, on attend...
On a attendu la vaccination, voilà, et puis on leur a dit revenez quand vous serez vaccinés, et là on a pu les traiter. Donc je vous montre un exemple d'un patient, vous voyez, donc pour montrer comme c'est peu évolutif. Donc vous voyez, sur la photo en haut à gauche, ça ressemble un peu à des boutons, enfin des boutons très banals, un peu comme ça pourrait y avoir dans l'acné, voilà. Ça c'est sur les deux photos du haut, et puis sur la photo en bas à gauche, vous voyez que deux ans après, enfin sur les deux photos du bas, pardon, vous voyez que deux ans après, c'est devenu un peu gros, quoi. Donc là, le patient, il commençait à être gêné, il commençait à dire, moi je voudrais un traitement, voilà. Et puis c'était un peu trop étendu pour faire des rayons sur, comme ça, des deux côtés du visage, ça faisait... Donc on a choisi chez ce patient de faire du rituximab, et donc vous voyez la photo avant le rituximab, qu'il a mis en rémission complète en quelques semaines. Et vous voyez que deux ans après le rituximab, eh bien, il n'y a toujours pas de récidive de son lymphome cutané de la zone marginale. Alors, je termine par ces lymphomes B à grandes cellules des jambes, donc qui sont différents. Hein. Donc, ces lymphomes B, ils touchent des sujets, des personnes qui sont beaucoup plus âgées. Donc, en moyenne, 78 ans, mais parfois, c'est 80, voire bien au-delà de 80 ans. Et ils donnent des nodules ou des tumeurs qui grossissent plus vite. Alors, pas tout à fait aussi vite que dans les lymphomes CD30, mais ça grossit quand même, ça a tendance à grossir vite. C'est dans la très grande majorité des cas sur les jambes. Voilà. Et donc, ces lymphomes, ils sont plus graves que les lymphomes B indolents, très fréquents, dont je vous ai parlé. Ils sont plus rares, plus graves. Et pourquoi ils sont plus graves? Parce qu'ils peuvent, si ça grossit beaucoup sur la peau, ils peuvent toucher les ganglions, ils peuvent aussi toucher les organes. Et donc ces lymphomes, on les traite avec l'aide de nos collègues d'hématologie, par, pas du rituximab tout seul, mais du rituximab associé à de la chimiothérapie. Voilà. Et alors là, je dirais qu'on a fait des progrès très très importants depuis peut-être voilà, 10-15 ans, c'est qu'on a appris à traiter les gens âgés avec de la chimiothérapie. Et on bénéficie des progrès énormes de l'hématologie. Vous savez que l'hématologie a fait des progrès considérables, et dans les progrès de l'hématologie, il y a peut-être la moitié qui est due au nouveau traitement, au progrès thérapeutique, et il y a la moitié des progrès de l'amélioration du pronostic qui est due qu'on a appris à prévenir les effets secondaires, à gérer les effets secondaires, à faire remonter les globules quand ils descendaient trop, à donner les bons antibiotiques quand il y a une complication infectieuse. Voilà. Et donc, nos patients âgés qui ont ce type de lymphome bénéficient beaucoup de ces progrès, de tous les soins de support qui accompagnent l'hématologie. Et donc, finalement, on arrive, grâce à ces traitements de chimiothérapie et de rituximab, à avoir amélioré de façon importante le pronostic de ces lymphomes B à grandes cellules des jambes. Voilà, donc en conclusion, les lymphomes B cutanés sont rares. Leur distinction d'avec les pseudo-lymphomes, c'est un problème fréquent. Hein, donc, intérêt là d'une expertise, effectivement, d'une deuxième relecture des lames, intérêt des discussions dont on parlait anatomoclinique en RCP de recours dans le cadre de notre groupe d'études des lymphomes cutanés. Ces lymphomes B cutanés, dans la grande majorité des cas, ils ont un très bon pronostic. Et donc, du coup, c'est très intéressant de savoir les reconnaître et les traiter, je dirais, de façon à la fois adéquate et mesurée. Voilà, et je voudrais remercier tous les patients qui, depuis des années, nous aident à faire beaucoup de progrès sur la prise en charge de tous ces lymphomes cutanés. Voilà, et très heureux de partager ça aujourd'hui. Alors, y a-t-il des questions de M. Bouguet ou dans la salle ou sur le net, en visio? Il y en a sur Internet. Il y en a sur Internet. D'accord. Alors, vous nous mettez quoi, une vidéo, les personnes en direct, tout ça, le son, l'image? J'essaye de les retrouver dans la liste. Désolée pour le petit temps de latence. Ils se sont déconnectés.
Oui, enfin, ça n'a pas l'air d'être immédiat le moment où ils voient quand je leur parle en ligne. Bon, alors est-ce qu'il y a des questions? Donc, oui, il y a une dame qui nous dit. Oui. À moins qu'elle soit là. Vous êtes là? Alors, qui nous dit un résultat de biopsie pour un bouton sur le visage diagnostiqué un lymphome B de la zone marginale, mais un second examen de cette même biopsie penché pour un infiltrat lymphoïde réactionnel ectasie capillaire. Quelle est la différence? Les traitements sont-ils différents? On est complètement dans cette discussion très très fréquente. Donc, cette dame, elle se pose cette question finalement, est-ce que j'ai un lymphome ou est-ce que j'ai un pseudo-lymphome? Voilà. Donc, madame, vous n'êtes pas du tout la seule à vous poser cette question. De très nombreuses personnes qui ont un lymphome B cutané se la posent effectivement initialement. Voilà. Et donc, parfois, le diagnostic de lymphome B est confirmé. Et parfois, c'est finalement un pseudo-lymphome, ce qu'on appelle aussi une hyperplasie lymphocytaire réactionnelle. Voilà. Et donc, ça, pour répondre, bon, sur le pronostic, ça ne va pas changer du tout au tout les choses, parce que dans les deux cas, on est dans quelque chose qui ne vous met pas du tout, madame, en danger. Voilà. Mais simplement pour choisir peut-être le meilleur traitement. Ça passe effectivement par une expertise dans le cadre de ce réseau dont on a montré des photos tout à l'heure. Voilà, donc au niveau national, qui permet d'avoir un deuxième avis sur vos biopsies. Et puis peut-être derrière, dans le cadre d'une présentation au groupe lymphome, une confrontation anatomoclinique qui permet de retenir l'un ou l'autre de ces deux hypothèses. Parfois, on reste dans une incertitude. Et lorsqu'on reste dans une incertitude, ben parfois, il est urgent de ne rien faire. Enfin, la bonne attitude peut être simplement d'attendre. Par exemple, il peut y avoir une régression spontanée définitive qui, en général, va dans le sens que c'était un pseudo-lymphome. Voilà. Mais cette situation qui peut être inconfortable à vivre, c'est-à-dire, est-ce que j'ai un lymphome, entre guillemets, donc cancer, ou est-ce que j'ai quelque chose de bénin? Finalement, soyez rassurés. D'abord, vous n'êtes pas la seule. Et ensuite, vous n'avez pas quelque chose de grave. Voilà, c'est un problème très fréquent, mais qui peut être résolu par l'expertise. Ça, c'est propre aux lymphomes cutanés. Monsieur Bouguet connaît bien les lymphomes systémiques qui, eux, les patients peuvent être très, très mal. Rapidement, avoir un lymphome agressif, ben nous, on a au contraire des lymphomes qui sont très, très, tellement indolents qu'on se demande si c'est un lymphome ou si ce n'en est pas un. Et alors, c'est très troublant pour les personnes. Une fois, on leur dit sur la biopsie, c'en est un. Après, c'est un pseudo-lymphome. Il faut savoir qu'il y a des formes de passage. C'est très difficile. Et quand on est dans ce cas de figure-là, c'est très rassurant, en tout cas, pour l'évolution. Oui, comme le disait Florent. D'autres questions, Céline? Un autre monsieur qui nous dit qu'il a été traité pour un lymphome B au rituximab à l'âge de 55 ans, c'était en 2017, qu'il n'a pas eu de récidive depuis, et il demande quel est le risque de récidive aujourd'hui, la chance de ne plus avoir de problèmes dans les années qui viennent. Moi, j'ai tendance à dire à ce monsieur qu'il est guéri. Sachant que les médecins n'osent jamais parler de guérison, hein, vous savez, c'est un gros mot pour les médecins. Guéri, voilà. Mais monsieur, je vais prononcer un gros mot, vous êtes guéri. Plus le temps passe, plus le risque de récidive s'amenuise. Mais bon, parce que souvent les patients récidivent dans les premières années. Oui, moi je suis d'accord avec Martine Bagot, oui. Je reste toujours un petit peu... Oui. Voilà. Oui. Plus le temps passe, et vraiment ça devient, le risque devient infime. Voilà. Il est le plus important dans les 3 ans. Et puis si c'est une rechute, c'est à nouveau une forme... indolente dans l'immense majorité des cas. Donc... J'admire il y a une autre personne à qui j'ai ouvert le micro, si elle veut bien l'ouvrir également. Il y a quelqu'un dans la salle aussi. Monsieur, vous m'avez demandé le micro, je vous l'ai ouvert. C'est à vous de l'ouvrir de votre côté maintenant pour prendre la parole, s'il vous plaît. Normalement, il y est. Vous m'entendez? Oui. Voilà. Donc, moi, j'ai une... Vous m'entendez? Non, il est chez moi, là, le micro. Il n'est pas chez le monsieur. Ah oui. Vous m'entendez, là? Oui, là, c'est bon. Oui, on vous entend très bien. Là, c'est bon. Je voudrais savoir, moi, je suis suivi par un mycosis. J'ai un mycosis fongoïde transformé. Et je voudrais savoir l'espérance de vie d'un mycosis fongoïde transformé. Alors, moi, je ça dépend de la dissémination de vos lésions. Est-ce que
cellules sont de grande taille, c'est vraiment difficile de dire ça sans connaître votre dossier. On ne peut jamais, on peut jamais répondre à ce genre de questions parce que chaque personne est unique. Bah oui. Il y a de plus en plus de progrès thérapeutiques dans la mycosis fongoïde et donc du coup il faut rester très confiant. Voilà, il faut faire, faire confiance aux avancées scientifiques, il faut faire confiance à ses médecins et il ne faut pas tellement regarder les chiffres qu'on voit sur internet sur, sur ses espérances de vie et ses pronostics parce qu'ils sont faux, ils s'appliquent à une population générale mais vous êtes un individu unique et sachez que tout le corps médical et toute la science fait en sorte qu'on puisse vous proposer des traitements pour que vous puissiez vivre le plus longtemps et le mieux surtout possible. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il y a une rémission complète qui existe ? Prolongée, je veux dire, prolongée en durée longtemps, sans médicaments, je veux dire, ça avec un mycosis transformé. Ça dépend des traitements qu'on vous propose. Il y a beaucoup de traitements qui ne sont pas curatifs, mais il y a la possibilité de greffe de moelle, dont on a parlé, qui peut donner des rémissions à long terme. Ah bon. D'accord. Mais à part la greffe de moelle, il n'y a que la greffe de moelle qui peut faire une rémission à long terme. Sous traitement, il est possible quand même d'obtenir des rémissions qui sont, mais sous traitement, prolongées ou alors avec des lésions qui sont bien réduites et qui permettent d'avoir une vie la moins inconfortable possible. Mais c'est vrai que pour les rémissions complètes sans traitement ensuite, c'est surtout la greffe de moelle. D'accord. Et l'électrothérapie, c'est un bon traitement ? L'électrothérapie. L'électrothérapie. Oui, oui. C'est un bon traitement. Bon, c'est vrai que dans les mycosis fongoïdes transformées, surtout s'il y a des tumeurs, il faut souvent ne pas faire que l'électrothérapie ou faire de l'électrothérapie, faire de la radiothérapie en plus sur certaines tumeurs, mais ça fait partie des traitements qui sont possibles, souvent en association, l'un après l'autre. Voilà, ça fait partie des stratégies, mais c'est un peu difficile d'aller plus loin et de vous dire ça c'est un bon traitement, ça c'est pas un bon traitement, parce que tout dépend de l'histoire de votre maladie, de vos types de lésions. Donc oui, monsieur. Et dernière question, d'accord, professeur. Dernière question, l'interféron, est-ce qu'il existe encore ? Oui, il existe encore, mais sous forme pégylée, c'est-à-dire c'est une des injections qui se font de manière beaucoup plus espacée que l'interféron qu'on faisait classiquement. Mais on peut encore prescrire de l'interféron pour le moment. D'accord, ouais, très bien. Bah, je vous remercie de vos questions, de vos réponses. Merci. Oui, bonjour professeur et docteur. Donc je voudrais savoir si on peut cumuler un lymphome B cutané avec une leucémie lymphoïde chronique monoclonale de type B aussi, avec des CD20. Donc est-ce que c'est compatible ? Je suppose que oui, parce que j'ai les deux, mais pour l'instant sans traitement. Donc voilà. Alors, par contre, ça n'a pas été diagnostiqué comme des lymphomes cutanés, c'est plutôt été diagnostiqué comme de la leucémie lymphoïde chronique. Sur la peau ? Alors, sur la peau, c'est... Oui, en plus, mais oui. C'est parti de la leucémie lymphoïde chronique. Oui, si donc en fait, il y a deux situations qui sont possibles. C'est l'association de deux lymphomes, hein, parce que finalement, ces cellules, elles dérivent de cellules qu'on appelle, nous, des cellules souches, enfin, des cellules précoces, qui ensuite peuvent se différencier dans un sens, dans un autre, etc. Et voilà, on peut tout à fait concevoir que une toute petite anomalie, d'une cellule précoce peut faire que finalement quelqu'un développe deux lymphomes. Donc dans une situation comme celle que vous décrivez, il peut y avoir l'association d'une leucémie lymphoïde chronique et d'un lymphome B. Auquel cas, la réflexion, la prise en charge, le pronostic, concerne deux choses séparées. Hein, donc, il faut réfléchir séparément sur l'un et sur l'autre. Et il peut aussi y avoir une localisation dans la peau des cellules B de la leucémie lymphoïde chronique. Hein. Et donc, ça, c'est quelque chose qui, pas forcément, mais qui pousserait, qui serait un argument éventuellement pour traiter la leucémie lymphoïde chronique si elle n'est pas traitée. Mais c'est à l'hématologue à ce moment-là de prendre la décision. Et l'hématologue, il doit être capable de vous dire si en fait vous avez deux choses ou une seule chose. D'accord. Bon, pour l'instant, il n'a pas encore dit. Hein. ça va venir. Merci beaucoup, professeur. Merci beaucoup, docteur. C'est voilà, vous avez une seule maladie. D'accord. Merci beaucoup. Guy, vous aviez une question ? Oui, je pense que les questions ont été répondues tout à l'heure, mais c'était juste pour demander justement sur le traitement par rituximab. Un patient donc, qui se fait traiter une première fois par rituximab
imaginons qu'il rechute. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé le risque que vous avez pris de parler de guérison, parce qu'effectivement, les hématologues et peut-être les dermatologues ne parlent pas de guérison. Sont c'est quelque activés. Chose qui est, c'est un terme qui est parfois inutilisé. Mais donc un patient qui éventuellement rechuterait après un traitement. Voilà, c'est ça. Traitement par rituximab, ça peut être une rechute très localisée, par exemple, qui va être accessible à de la radiothérapie. Donc à ce moment-là, on fera un champ de radiothérapie, voilà. Mais s'il rechute sous une forme où on estime que le meilleur traitement est le rituximab, on peut très bien reprendre le rituximab. On le fait d'ailleurs régulièrement dans des maladies qui ne sont pas cancéreuses, qui sont des maladies inflammatoires de la peau, par exemple, où on fait des traitements d'entretien par le rituximab. Donc là, dans les lymphomes cutanés, on ne fait pas des traitements d'entretien par le rituximab, mais on peut très bien reprendre le rituximab à la rechute. Qu'on rechute, que cette même molécule ne sera plus aussi efficace. Non, c'est pas une résistance. Très bien. Et ce n'est pas parce qu'on rechute que la maladie devient plus agressive non plus. Mmh. Voilà, on retraite de la même manière qu'au départ, en fonction, est-ce que c'est une lésion unique ou une lésion multiple. Et là, c'est très différent, effectivement, de certains autres. La rechute a un caractère péjoratif. Là, non, c'est juste qu'on recommence un peu au début, mais ce n'est pas plus grave. Et si on peut parler des lymphomes de la zone marginale, on pourrait souvent donner des petites lésions de 5 mm, 10 mm, qui sont très indolentes. Alors c'est vrai, vous avez une lésion là, à un endroit, là, l'année d'après, mais c'est très bénin, ça se traite simplement localement, et ce n'est pas du tout le signe que la maladie est agressive. Mais la maladie continue d'évoluer, si on veut, mais sur un mode extrêmement bénin. D'autres questions, Céline? Non? Non. Bon, alors on va passer au témoignage. J'ai ouvert le micro d'un participant qui avait l'air de vouloir poser une question, mais j'attends qu'il ouvre son micro de son côté. Sinon, on peut peut-être poser la question tout à l'heure. D'accord, entendu. Florent, je te laisse présenter les patients qui ont bien voulu témoigner. Donc moi, je vais laisser ma place. Je vous abandonne. Alors bonjour à tous. D'abord, un grand bravo à nos orateurs qui ont fait de très belles présentations, très didactiques. J'ai eu de très bons retours à la pause. C'était clair et instructif. Donc, je pense que vous avez appris beaucoup de choses. Et maintenant, c'est à nous d'apprendre des choses, et on va apprendre des choses de vous. Le dialogue entre patients et médecins est quelque chose de fondamental. On essaye de vous apprendre des choses, mais surtout, vous nous apprenez beaucoup de points très importants pour la prise en charge globale. Et je tenais à remercier deux patients qui ont très très gentiment et surtout courageusement accepté de témoigner. C'est pas un exercice facile de parler devant tout le monde, et j'aimerais qu'on les applaudisse, parce qu'ils font ça pour vous. Ils ont pris leur courage à deux mains, et c'est vraiment très très courageux de leur part. Je vais commencer par laisser la parole à Monsieur Velu, qui va accepter de nous parler un peu de son parcours. Je vous laisse la place. Bonjour à tous. Donc, je vais vous parler un petit peu de mon parcours. Pour ma part, j'ai un mycosis frangoïs. Donc, en septembre 2019, j'ai consulté mon médecin traitant pour une plaie douloureuse dans le dos. Il était apparu et creusé ma peau rapidement. Mon médecin diagnostique un zona. Il m'a prescrit un traitement m'indiquant que le zona était de très long à guérir. Malgré le traitement, je voyais d'autres plaies apparaître sur mon corps accompagnées de démangeaisons. En mai 2020, j'ai été hospitalisé pour un staphylocoque doré et pris en charge par un dermatologue de l'hôpital Saint-Joseph. À ma sortie de l'hôpital, j'avais des soins
infirmier quotidien et douloureux. Devant l'inefficacité des soins, l'augmentation des plaies, par les douleurs, je ressentais... ça m'empêchait de dormir et de rester plus de 10 minutes assis. La dermato m'a de nouveau hospitalisé pour pratiquer différents examens en octobre. Elle m'a annoncé que je souffrais d'un mycosis frangoïde et un traitement a été mis en place. Ce dernier n'ayant pas d'effet escompté, j'ai été adressé rapidement au docteur Amator, spécialiste de la maladie. Dès notre premier rendez-vous, il m'a confirmé le diagnostic et expliqué la maladie ainsi que les traitements envisagés. J'ai vite été pris en charge et contacté pour effectuer des examens complémentaires. Également, des séances de radiothérapie ont été organisées pour soulager mes douleurs et faire en sorte que mes plaies les plus importantes se soignent. Très vite, nous avons eu recours à la chimio pour une période de 6 mois, d'avril à septembre. Aujourd'hui, ayant terminé la chimio, j'ai un traitement qui n'est pas encore complètement ajusté, mais plus de souffrance. Bien sûr, il n'est pas facile d'avoir son quotidien rythmé par les séances de chimiothérapie, de radiothérapie à l'hôpital. Mais il est important de se dire que c'est pour son bien-être, entouré et accompagné par les siens. Pendant les moments les plus difficiles pour moi. Le plus important, c'est la relation de confiance avec son médecin, qui m'explique la maladie avec des mots à ma portée. Sans me promettre la disparition de la maladie, mais tout sera fait pour mon confort d'une vie toujours... pour une vie confort de vie. Étant toujours à l'écoute, voilà, mon confort, ma situation aujourd'hui. Et excusez-moi pour un... les accros, mais bon, c'est pas facile de parler devant tout le monde. J'en ai pas l'habitude, voilà. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Rien. Merci. Oui. Monsieur Velu, venez. Ah. Venez comme ça, vous voyez. Qu'est-ce que dans votre parcours, qu'est-ce qui aurait pu être amélioré ou est-ce que vous trouvez que tout s'est parfaitement bien passé? Alors écoutez, moi personnellement. Regardez, asseyez-vous, je vais vous mettre le micro comme ça. Alors moi personnellement, vous m'entendez là? Oui. Bon. Moi personnellement, j'ai eu un parcours, j'ai eu de la chance de tomber sur franchement des médecins qui m'ont compris, qui ont vraiment ciblé ce que j'avais et très rapidement. Donc ça a fait que malgré la souffrance que j'ai eue et qui a été une souffrance quand même assez importante pendant quelques mois, à ne plus dormir quand même, comme je vous ai dit, ne plus s'asseoir pendant 10 minutes. C'est vrai que mon parcours, il a été vraiment bien, bien traité, bien acheminé. Merci. Merci pour ce témoignage. Je vais maintenant appeler Monsieur De Vérac, qui va nous parler de son parcours. Bonjour à tous. C'est donc à l'invitation de Dr Amator que je suis présent aujourd'hui. Je n'y suis évidemment pas par hasard présent, ni par passion sur le sujet de lymphome cutané, même s'il est sûrement très intéressant. Et je suis là parce que je suis pas seulement concerné non plus, mais plutôt impliqué, la différence est notable. En clair, j'ai un lymphome cutané, lymphome T épidermotrope, version, si j'ose dire, syndrome de Sézary. Donc je vais me présenter rapidement et je vous dirai en quelques mots ensuite quelques mots sur mon expérience médicale. De toute façon, je m'appelle donc Hervé de Vérac, moi j'ai 57 ans, je suis marié, j'ai 4 enfants.
qui ont entre 30 et 19 ans et dont deux se sont mariés l'année dernière à 3 semaines d'intervalle en période de Covid. Et je suis professionnellement agent général d'assurance et courtier à Marseille, ici à quelques pas du Pharo. Et j'ai toujours été assez convaincu de la nécessité et de la vertu de l'engagement. Et je me suis donc engagé pendant de longues années dans le syndicalisme professionnel, où j'ai exercé différentes fonctions et missions. Je ne le dis pas pour expliquer ça, mais parce que c'est une des explications qu'on m'a données parfois au début en me disant « ne vous inquiétez pas, ce que vous avez, c'est du stress et du surmenage ». Alors, au regard de mon histoire médicale, il est difficile évidemment de dater avec précision le début de la maladie. Il y a eu, mais tout a été dit, donc je ne suis pas sûr que vous apprendrez grand-chose là-dessus, une apparition de temps à autre de plaques rouges éparses qui allaient et venaient, sans véritable gêne d'ailleurs, combinées avec des périodes irrégulières d'irritation et puis de démangeaison. Et d'ailleurs, plutôt en automne et en hiver, le printemps et l'été étant plutôt plus paisibles, donc j'ai compris assez vite que l'effet de la lumière et du soleil était plutôt bénéfique. Je consultais régulièrement une dermatologue qui pratiquait assez régulièrement, enfin en tout cas de mon souvenir, des prélèvements, c'est-à-dire des biopsies, donc sur les zones abîmées, mais sans que les résultats ne parlent vraiment, en tout cas à ma connaissance. Et je faisais également régulièrement ce qu'elle me prescrivait, c'est-à-dire des prises de sang, sans plus de conclusions précises d'ailleurs. J'appliquais donc à l'époque des crèmes, voilà, des crèmes apaisantes et hydratantes avec ou sans cortisone et plus ou moins dosées, c'est elle qui gérait ça. Ma vie professionnelle et d'engagement, comme j'évoquais, donc était très active, avec de nombreux et fréquents déplacements. Et donc, assez naturellement, m'a-t-on dit, le stress, l'hygiène de vie, mauvaise, était donc souvent mis en avant comme explication donc, de ces démangeaisons, de ces irritations, de ces inconforts. Mais je m'en accommodais. En juin 2015, j'ai terminé un mandat de président d'une fédération nationale, très prenant, sur Paris, et j'ai donc décidé de ralentir le rythme, en me disant ainsi que les choses iraient mieux. C'est précisément à ce moment-là que les choses se sont gâtées. Sans penser ni prétendre naturellement que si j'avais continué, j'aurais été préservé, mais en tout cas, c'était un fait. Pendant quelques temps, j'ai eu le sentiment, à partir de cette date-là, d'être dans une forme, c'est le mot que j'ai trouvé, mais d'errance médicale. C'est-à-dire où tout en étant suivi régulièrement, bon, on se voyait régulièrement avec ma dermatologue, mais en fait, il ne se passait pas grand-chose en fait. On suivait les choses. Mais je sentais bien qu'il y avait quelque chose de persistant qui ne collait pas. Début 2016, je suis allé faire des examens un peu plus approfondis, sang et biopsie, donc à la Timone. Et là, le diagnostic était posé, donc mycosis fongoïde. Je n'avais absolument aucune idée de ce que cela signifiait, mais j'ai compris que c'était un sujet. Et un sujet, je l'avoue, que je n'ai pas tellement voulu chercher à creuser, en fait, à l'époque. Donc j'ai demandé au médecin qui m'avait posé ce diagnostic, je lui ai dit « bon alors, que fait-on ? » Et là on m'a dit « mais il n'y a pas grand-chose à faire parce qu'il n'y a pas de traitement curatif, il n'y a que des traitements de confort. » Alors je lui ai dit « bon, le confort, on verra, qu'est-ce que c'est ? » C'est la puvathérapie. Alors j'ai attendu quelques mois et j'ai entamé des séances de puvathérapie. Je me suis arrêté à la troisième, sans que d'ailleurs, et je suis parti, sans que jamais personne ne me demande pourquoi j'étais parti et ce qui s'était passé. Alors je suis parti pourquoi ? Je ne suis pas parti parce que j'étais en colère, je suis parti parce que j'avais le tour de cou qui était complètement cartonné après ces séances et que j'étais plus mal après qu'avant. Alors la première, on veut bien dire c'est un investissement, la deuxième c'est un investissement prolongé, la troisième c'est un investissement déraisonnable. En tout cas c'est comme ça que je l'ai vécu. Début 2017, j'ai quitté la Timone, donc à la faveur d'une rencontre avec une nouvelle dermatologue. Je ne dirai pas son nom mais elle a été formidable, Florent Amateur la connaît. Et elle m'a hospitalisé pendant 3 jours, donc où j'ai passé tout un bataillon d'examens, scanners, biopsies, prise de sang, fibroscan, enfin tout, de la tête aux pieds. Confirmation du diagnostic mycosis fongoïde. Traitement préconisé alors, injection hebdomadaire de méthotrexate. Donc j'ai commencé, alors je ne sais plus exactement les dosages, mais c'était progressif. Et j'ai passé donc une année en progression et une année quasiment au plein qui doit être à 25. Je crois que c'était 25. Après 2 années en gros de traitement et un suivi médical d'un très grand confort par cette dermatologue qui au-delà, et ça c'est un point qui pour moi était très important, qui au-delà de sa seule partie, de sa seule spécialité dermatologique, en fait m'avait complètement pris en charge dans ma globalité médicale. Et régulièrement elle me disait tiens on va faire un contrôle chez l'endocrino, on va faire un truc chez le gastro, on va faire un truc ici ou là. Et donc c'est vrai que j'étais hyper sécurisé, enfin c'était devenu mon généraliste, je ne sais pas si c'est normal ou pas. Mais c'était devenu en tout cas mon généraliste et pour moi c'était d'un grand confort et du coup d'une grande sécurité et sérénité.
En septembre 2019, l'apparition de plaques dites infiltrées, qu'elle m'avait déjà expliqué, en me disant le jour où il y en aura, ça sera compliqué. Donc un jour, j'ai vu que j'avais des plaques infiltrées, je suis allé la voir. Elle m'a envoyé à l'IPC, donc pour consultation et avis auprès du professeur Eda Bouabdallah. Et après échange avec lui et quelques examens complémentaires, donc le diagnostic du syndrome de Sézary a été posé. Alors là, j'ai compris que ce n'était pas bon. Je me souviens particulièrement de la douceur, de la délicatesse et de la rassurance dont a fait montre ma dermatologue à l'époque pour me dire qu'il fallait à présent bon, passer à autre chose. Et elle m'a donc renvoyé à la Timone et en me confiant donc au docteur Amateur, c'était en octobre 2019. Belle rencontre, si je puis dire, même si, voilà, avec naturellement une inquiétude renforcée, celle cette fois-ci de la connaissance de la maladie et de l'incompréhension, ou en tout cas de tout ce que l'on ne sait pas sur son évolution. Enfin, des gens ne savent pas grand-chose sur son origine, mais alors sur son évolution, en tout cas, moi, je n'ai pas bien tout compris encore. Et ce fut le début donc, d'un nouveau traitement dont on a parlé tout à l'heure, qui est la PCE, donc la photochimiothérapie extracorporelle. Alors moi, ce n'est pas qu'une seule machine qui fait tout, mais ça va être des vieilles machines, mais on y passe 4-5 heures, donc, puisque la poche est traitée dans le labo en dessous, donc on débranche, on rebranche, et puis on remonte pour récupérer la poche. Mais je ne me plains pas, c'est d'un grand confort, et effectivement, ça a été dit sans aucun dommage collatéral, en tout cas physiquement, et sans non plus effet secondaire particulier, je ne sais même pas s'il y en a, et peut-être des résidus, des produits de photosynthèse qui sont donnés dans la poche, enfin, je ne sais pas. C'est à la Marseille, donc à la Conception, j'y suis encore, et je suivrai d'ailleurs mardi, puisque c'est deux fois par semaine, une semaine sur deux, je vais suivre ma 80e séance. Et je suis très content, j'allais dire, pourvu que ça dure. Le suivi par le docteur Amator est pour moi, je le dis sans flagornerie, et s'il n'était pas là, je le dirais aussi, mais très important et très sécurisant, d'abord dans la transparence des informations communiquées, dans la pédagogie, enfin votre pédagogie qui est très explicative. On vous pose sans doute 100 fois les mêmes questions, mais vous y répondez comme c'était la première, c'est plutôt agréable. Et puis on a l'impression d'être vraiment suivi, enfin pas l'impression, on est suivi, notamment au niveau des résultats sanguins, qui reviennent quand même très régulièrement. Enfin, en un mot et en cette matière, il a du sens, confiance, donc j'ai confiance en vous. L'occasion m'est donnée donc de le remercier, et je le fais publiquement. Depuis quelques semaines, la situation de ma peau, parce que je n'ai pas compris au début l'évolution qu'il y avait entre le sang et la peau. Moi, j'ai toujours eu plus peur du sang que de la peau. Donc, on surveille les taux de cellules par les examens de sang. J'ai compris à l'hémaphérèse qu'eux, ils étaient plutôt préoccupés par la peau. Bon, la peau n'évolue pas dans un bon sens, en fait. Enfin, tous les symptômes qui ont été décrits, c'est-à-dire les rougeurs, les plaques, les démangeaisons, et surtout les fissurations, effectivement, sur les mains et sur les pieds, sont assez désagréables. Et donc, même si je suis un fervent partisan dans le domaine médical de l'écologie, donc de l'écologie médicale, donc pas trop enclin aux médicaments, j'ai accepté, enfin j'ai cédé aux explications et aux encouragements du docteur Amateur, et j'ai commencé Targretin depuis 15 jours. Alors, c'est pas top, hein, puisque j'ai eu des éruptions assez fortes, et puis j'ai des tensions donc, dans les jambes depuis quelques jours, que je n'aurais certainement pas mis en relation avec ça si je n'avais pas discuté à la pause avec le monsieur qui est là, qui me parlait de l'expérience de sa femme. Voilà, alors, sur un plan personnel, en fait, comment vit-on tout cela? L'avant-diagnostic, la période que j'appelais d'errance médicale, est une période d'inquiétude, effectivement, assez forte. On ne sait pas trop quoi penser, on ne sait pas trop quoi faire, on ne sait pas si on voit les bonnes personnes, mais ce qu'on sait simplement, c'est qu'il y a un truc qui ne va pas. La pose du diagnostic, c'est un coup qu'on prend sur la tête, surtout selon la manière dont il est annoncé. Je ne ferai pas de commentaire sur ce point-là. Et puis, assez vite, on se dit qu'il faut faire face de toute façon et qu'au moins, l'avantage, c'est qu'on sait contre quoi se bagarrer. L'inquiétude demeure, mais elle est différente. Et lorsque nous ne sommes pas malades, nous nous inquiétons du jour où nous risquons de l'être. Et puis, le jour où on l'est, au moins, on s'inquiète plus de ça. On s'inquiète d'autre chose. On est confronté au principe de réalité. L'inquiétude demeure, bien sûr, mais la nouveauté, c'est qu'elle est aussi présente chez ceux qui vous entourent, c'est-à-dire la famille, les proches et les amis. Vous êtes plus simplement hypochondriaque, vous êtes malade. La gestion du parcours médical est complexe. Elle est complexe parce qu'elle est en fait multifaciale. Elle est à la fois médicale, avec des tas de questions, d'interrogations, d'incompréhensions. Bon, c'est là qu'on mesure qu'on a besoin de grands scientifiques, de chercheurs qui trouvent, de médecins qui accompagnent, mais également qui soient
qui soit compétent, bien sûr, mais qui soit aussi doté de quelques repères humains et psychologiques qui sont aussi très importants dans l'accompagnement du patient, me semble-t-il. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Cette gestion du parcours, elle est pas seulement médicale, elle est aussi personnelle, familiale, affective, avec la recherche d'un équilibre avec les siens. Moi, je fais le choix de tout dire à mes enfants et à ma femme, bien sûr. Je fais donc très régulièrement un point de situation par WhatsApp, dans lequel je précise exactement où j'en suis sur le plan du traitement, sur le plan du nombre de séances, sur les taux de cellules, sur les médicaments que je prends et comment je me sens. Et je leur fais tous les mois donc un point de synthèse. Et ils sont donc, du coup, ils étaient demandeurs. Je trouvais ça un peu curieux, mais finalement, c'est une habitude qu'on a prise. Je vous dirais que parfois, d'ailleurs, je suis plutôt tenté par la stratégie de la grotte, mais comme je m'y suis engagé, ma grotte, elle ne peut pas durer plus de 28 jours. Aujourd'hui, bien sûr, je suis habité par le sujet de ma maladie. Bien sûr que passer 24 ou 25 heures par mois à l'hôpital, c'est chronophage. Bien sûr, la prise de médicaments chimiques est source de préoccupation. Bien sûr, les désagréments sont constants, hein, c'est tous les jours. Petite démangeaison, grande démangeaison, peau qui pèle, fissuration, on en a parlé. Bien sûr, j'ai conscience d'avoir une épée sur la tête, même si je le mesure difficilement. Mais en tout cas, aujourd'hui, moi, je vis, je travaille, j'ai une vie familiale et sociale. J'ai la chance, peut-être par rapport à d'autres, d'être entouré, d'être suivi et bien suivi. Et je suis porté en plus par quelques convictions personnelles qui contribuent à m'aider à avancer. Je vous remercie de votre attention. Deux très beaux témoignages. Est-ce qu'il y a des questions que nous pourrions poser à M. Velu et à M. De Verac ? M. Bouquet. Très beau témoignage, oui, merci. Je me suis reconnu un petit peu dans la grotte. On ne s'est pas croisé dans la grotte, mais elle est pratique, cette grotte, quand même. Juste une question. Vous êtes passé de la Timone à l'IPC, retour à la Timone, en passant par un dermato. Pourquoi ce parcours, pourquoi ce passage, par exemple, vers l'IPC et... Je ne sais pas. La Timone, c'est parce que c'était... Voilà, il y a des choses n'allaient pas bien et j'avais pris rendez-vous avec la Timone et ça a été le lieu du premier diagnostic. J'ai quitté la Timone, comme je l'ai dit, après quelques séances de puvathérapie. Je n'avais pas, en fait, de répondant. Et donc, j'avais des internes certainement très compétentes, mais qui me disaient « Non, ce n'est pas grave, il faut vous mettre de la pommade, cold cream, et ça ira mieux demain. » Et puis, en fait, non, ce n'était pas ça. Donc, c'est vrai que j'ai un peu déserté. Et puis, à la faveur d'une rencontre avec un de mes amis et clients, je lui explique ça. Il me dit « Écoute, ça tombe bien, j'ai rendez-vous avec une dermato qui est super, mais il faut 6 mois d'attente. Je te donne mon rendez-vous. » Donc, le lendemain, je me retrouve donc dans le cabinet de cette personne qui se trouvait être dermatologue à Saint-Joseph. Et elle m'a dit, si vous acceptez, je vous hospitalise, je vous prends 3 jours à l'hôpital. Donc, j'ai atterri à Saint-Joseph, donc, qui est un hôpital privé à Marseille. Et c'est elle qui m'a suivi pendant toute cette période des 2 ans, 2 ans et demi. Et au bout de 2 ans et demi, elle m'a dit, moi, je pense que j'arrive à la limite de ce que je peux faire. Et comme je ne sais pas trop si c'est plutôt du ressort, alors je ne sais pas quelle est l'hématologie, et puis le père m'avait expliqué, mais je ne me rappelle plus, c'était soit du côté donc, IPC avec Reda Bouabdallah, donc le traitement du sang, etc., soit plutôt la Timone sur un aspect plus dermatologique. Donc moi, je n'ai pas choisi. Hein, donc à ce moment-là, donc, elle m'a dit, faites la consultation quand même à l'IPC. Et l'IPC a confirmé le diagnostic, mais surtout le partage d'opinion de ce médecin. Et donc c'est comme ça que je suis revenu donc, à la Timone. D'accord, merci. En fait, ce qui est intéressant dans votre témoignage, c'est qu'il illustre pour moi deux critères, enfin deux choses qui sont très importantes dans le parcours avec la maladie. C'est l'information, un patient informé, un patient qui prend des décisions. C'est déjà un patient, il se prend en charge, et donc il a quand même de meilleures chances de guérir ou de rentrer en rémission. Ça, c'est important. Et deuxièmement, c'est l'accompagnement, et vous en avez fait part, vous êtes accompagné, et ça, c'est aussi quelque chose de hyper important dans le parcours avec la maladie. Je pense que quand on se bat contre une maladie comme celle-ci, on a des raisons, c'est souvent on a une famille, on a des enfants, mais aussi ce sont eux qui sont les sources d'énergie qui nous font avancer, et ça, c'est hyper important. Est-ce qu'il y a des questions online ?
commentaire à vous transmettre, Florent, mais pas de questions. Des commentaires de patients. Je ne vois pas la souris. La souris a disparu. C'est déjà arrivé plusieurs fois. Alors, attends, on va faire elle ça. Est sur notre écran. Elle est sur l'écran. Solène. Eh ben, elle est... Non, elle n'apparaît pas. Ouais, là, c'est... Je suis sûre qu'elle a disparu. Et puis après, il faut faire diaporama. C'est figé. Il faut d'abord retrouver la souris. Comme la connexion. Elle est loin, la souris. Elle a disparu. On a un petit problème technique ici. Ah ben là, voilà, la souris est revenue. Voilà. Voilà, ok. Donc moi, c'est... voilà. Je voulais quand même remercier encore une fois les deux patients qui ont témoigné, parce que je sais que ce n'est pas facile de témoigner, mais c'est important, c'est important... Je pense que ça peut aider aussi le patient qui témoigne, mais ça aide beaucoup les patients qui sont en ligne de savoir qu'il y a vraiment... Les parcours sont tous individuels, donc on a tous une expérience qui est unique. Et effectivement, c'est comme le professeur Grange qui le répétait tout à l'heure. On parle de statistiques, on a besoin de statistiques quand on a des résultats d'études cliniques, mais au bout du compte, derrière les statistiques, ce sont des individus. Et chaque individu réagit et vit le traitement différemment. Et donc, c'est toujours très enrichissant. Et merci encore d'avoir partagé ça avec nous. Je vais prendre encore une dizaine de minutes pour vous parler de notre organisation, ELI. Mais d'abord, je voulais aussi en profiter pour remercier la Lymphoma Cutaneous Foundation, qui est à l'origine aussi de cette réunion, de l'ORTC et puis évidemment du GFL qui est là, qui nous permet de nous retrouver aujourd'hui pour une réunion de patients. Alors ELI n'est pas une nouvelle association. En fait, ELI est le nouveau nom qui est donné à l'association France Lymphome Espoir parce que France Lymphome Espoir a fusionné avec une autre structure il y a quelques mois, au mois de juin. Et donc, nous avons décidé, parce que nous avons pris en charge une nouvelle pathologie qui est la LLC dont parlait monsieur tout à l'heure, la leucémie lymphoïde chronique. Donc, nous avons décidé d'adapter notre nom et de devenir donc ELI, qui veut dire Ensemble Leucémie Lymphome Espoir. Donc, c'est une association loi 1901 agréée par le ministère de la Santé. Et ça, c'est quelque chose d'important. J'en viendrai à ça tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, nous représentons à peu près 5 000 membres dans l'association. Quelques informations sur les lymphomes, la LLC, maladie de Waldenström. Et moi, j'insiste beaucoup sur le fait qu'on parle des lymphomes. Vous le voyez déjà ici, on parle des lymphomes cutanés. On a une quantité assez importante. Quand on se rappelle des diagrammes qu'a présenté le professeur Bagot tout au début, ce diagramme en forme de camembert avec tous les sous-types de lymphomes cutanés, je pense que d'ici peut-être une dizaine d'années, on va en découvrir de nouveau. Mais vous voyez que déjà sur les lymphomes, on a à peu près une centaine de différents sous-types aujourd'hui qui ont été identifiés. Les lymphomes en France, c'est à peu près 23 000 nouveaux cas chaque année. Il y a à peu près 200 000 personnes qui sont touchées par un lymphome aujourd'hui en France. C'est le cinquième cancer en termes d'incidence dans la population générale. C'est le premier cancer chez les adolescents jeunes adultes. Et c'est le troisième cancer chez les enfants. Donc l'association ELI, aujourd'hui, a vraiment quatre missions. La première mission, c'est l'information. Donc l'information, l'éducation des patients. Parce que, comme je disais tout à l'heure, un patient éduqué, et informé, c'est un patient qui se prend mieux en charge. C'est un patient qui a de meilleures chances dans son parcours avec la maladie, sachant encore une fois qu'on a beaucoup de sous-types de lymphomes. On a des lymphomes qui sont indolents, c'est-à-dire à évolution lente, et qui vont nécessiter sûrement des traitements tout au long d'une vie, parce qu'il peut y avoir, des rechutes, il peut y avoir des moments de rémission qui durent plus ou moins longtemps. Et donc,
on est amené à être confronté à des décisions aussi quand on rechute, par exemple. Et donc, l'information, c'est critique pour les patients et puis pour leurs proches, mais aussi pour le grand public, parce que faire rentrer le terme lymphome dans le langage de tous les jours et non pas des périphrases pour définir ce type de cancer, c'est quelque chose d'important pour nous. C'est bien évidemment l'accompagnement, puisque j'en reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure, il faut être accompagné pour pouvoir mieux mieux se soigner, mieux se prendre en charge. Donc on met en place des projets pour accompagner les patients tout au long de leur maladie. C'est aussi l'encouragement à la recherche avec je montrerai tout à l'heure des bourses de recherche que nous mettons en place. Et puis c'est l'action parce que nous travaillons beaucoup sur le plaidoyer, j'en ai parlé tout à l'heure. Nous travaillons avec les médecins, avec les sociétés savantes, nous travaillons aussi avec les autorités de santé pour représenter la voix des patients à ces niveaux où les décisions sont prises. Ça, c'est un petit schéma qui vous montre, on est parti de France Infome Espoir en 2006, l'association CILC avait été créée en 2007, et puis notre agrément en 2018, et puis en 2021, on devient ELI, qui est donc le rassemblement de l'association CILC et de France Infome Espoir. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici, c'est la manière dont on est structuré en comité pour essayer de bien couvrir la maladie d'une manière transversale. Et puis on est accompagné d'un comité scientifique qui est composé de 16 membres qui représentent chacun une dizaine de régions en France, beaucoup d'hématologues, pharmaciens, infirmiers, dermatologues, épidémiologistes, pédo-oncologues et puis des spécialistes, un spécialiste de greffe pour pouvoir avoir des compétences sur tous les moments possibles et toutes les spécialités possibles des lymphomes. On a beaucoup d'actions sur le terrain, j'en reviendrai tout à l'heure, mais on a aussi des actions d'information et d'éducation. Vous voyez qu'on a un forum, on a une plateforme qui s'appelle Aurélie sur laquelle vous pouvez trouver des essais cliniques. C'est une plateforme qui est uniquement en français et qui a objet de permettre à une personne qui n'a pas de compétences en santé de trouver des essais cliniques, de comprendre les essais cliniques qui sont disponibles en France dans le domaine des lymphomes. Donc c'est traduit en français et c'est un petit peu ce qu'on appelle vulgarisé pour que tout le monde puisse comprendre. Et puis on le met à jour tous les deux mois et ça permet aux gens d'aller de voir ce qui se passe. Et par exemple, on parlait tout à l'heure des essais cliniques sur les lymphomes cutanés. Ici, on a une vue aussi, comme sur votre site, des essais qui sont disponibles de phase 2 et 3 uniquement en France. On a un site lymphocyte qui s'appelle... qui est une plateforme d'information basée uniquement sur des vidéos, des petites vidéos d'information qui ciblent différents moments de la maladie, différentes spécialités aussi, qui est très récent. Un site d'accompagnement, enfin un projet d'accompagnement qui s'appelle MyFoCare, qui accompagne, c'est un programme qui accompagne les patients atteints de lymphomycosis fongoïde, qui sont sous traitement topique, et puis d'autres plateformes qu'on met en place aussi pour accompagner les patients. On a énormément de brochures et d'informations, dont celle-là qui aujourd'hui a été citée plusieurs fois, qui est issue d'une grosse brochure qui avait été réalisée par la Cutaneous Lymphoma Foundation, et qu'on a adapté grâce au GFELC, qu'on a adapté à la situation française et qui décrit toutes les étapes de la maladie avec les lymphomes cutanés, les différents sous-types et qui est remise à jour régulièrement. Je reviens sur la recherche. Donc effectivement, nous, depuis 2010, on a redistribué plus de 300 000 euros à la recherche par l'intermédiaire d'appels à projets que nous met en place maintenant tous les 18 mois. Et donc on vient de lancer justement le dernier appel à projets pour lesquels on redistribuera nos bourses de recherche en 2022. La présence sur le terrain, elle est multiforme, elle est hyper importante. Des réunions comme celle-ci,
Ça, c'est aussi la base de nos actions, ce qui permet aussi aux patients de se retrouver, d'échanger d'une manière informelle et surtout de pouvoir discuter avec les soignants dans un contexte hors consultation. Ce sont des permanences dans les centres de soins, dans les centres experts, des permanences qui sont faites par des patients qu'on a nous-mêmes formés à l'écoute. Et encore une fois, c'est un moment où chacun peut, enfin les patients peuvent venir s'exprimer, être entendu et être compris. C'est une ligne téléphonique qui est disponible 2 jours par semaine. Ce sont d'autres actions qu'on mène sur le terrain, comme un colloque. On a un colloque tous les 18 mois qui est adossé aux journées scientifiques du LISA, qui est un groupe coopérateur sur les lymphomes systémiques. Et puis notre journée mondiale des lymphomes qui est le 15 septembre. Et tous les ans, on essaie de faire des actions de communication, soit vers les patients et leurs proches, soit vers le grand public, pour éveiller l'attention sur la maladie et une présence, évidemment, sur les réseaux sociaux. J'ai mis un petit résumé de tous nos engagements qu'on a soit par l'intermédiaire de projets mis en place, soit par l'intermédiaire d'enquêtes qu'on a mis en place pour essayer de comprendre le parcours des patients selon leur sous-type. Et puis nos collaborations, j'ai parlé du LISA, j'ai parlé du GFELC, la Société française de greffe de moelle aussi, avec laquelle nous collaborons, puisqu'on a entendu aussi toute l'après-midi que la greffe de moelle allogénique fait partie des options thérapeutiques sur certaines formes de lymphome cutané. Et puis une collaboration avec l'INCa, la Ligue, et au niveau international avec la Lymphoma Coalition, qui est un regroupement d'associations de par le monde qui ont pour objectif de soutenir les patients atteints de lymphome. Donc c'est réellement un partage d'expériences. Et d'ailleurs, la Cutaneous Lymphoma Foundation fait partie de la Lymphoma Coalition, et ce qui nous permet justement d'échanger les bonnes pratiques et de reprendre ce qui marche bien à l'étranger et de le réimplémenter à la sauce française pour que les patients puissent en bénéficier. Donc voilà à peu près ce que fait notre association sur le territoire français. Encore une fois, je voulais juste remercier le professeur Bagot qui m'a permis d'être ici avec vous, et puis la Cutaneous Lymphoma Foundation pour l'organisation de cet après-midi. Voilà. Merci à vous. Je reprends la parole, parce que vous m'entendez. Suzanne est avec nous pour faire la clôture, et avant ça, j'ai une question, savoir si des cures thermales peuvent être utiles pour améliorer la peau dans le cadre d'un syndrome de Sézarie, et également de savoir si le Sézarie est une forme d'évolution d'un MF. Je ne sais pas, Martine, si vous voulez reprendre la parole. Est-ce que vous m'entendez ? Parfait. Concernant l'évolution du syndrome de Sézarie à partir du mycosis fungoïde, c'est pas vraiment ça. En fait, en réalité, c'est plutôt deux maladies différentes qui peuvent parfois au début se présenter un peu de la même manière. C'est pour ça, tout à l'heure, Monsieur De Verac disait, j'ai été diagnostiqué comme un mycosis fungoïde, et puis en fait, en réalité, c'était un syndrome de Sézarie, parce que le début de la maladie peut parfois être un peu semblable, à la fois sur l'examen clinique, mais aussi sur les examens complémentaires, la biopsie cutanée, la prise de sang et autres. Et donc, en réalité, le syndrome de Sézarie n'est pas un continuum du mycosis fungoïde, c'est vraiment deux maladies différentes. L'évolution d'un mycosis fungoïde en maladie sanguine est très très rare. Au final, soit on a un mycosis fungoïde et on garde un mycosis fungoïde toute sa vie, soit on a un syndrome de Sézarie dès le début, mais qui parfois peut être diagnostiqué comme un mycosis fungoïde. Pour ce qui est des cures thermales, il n'y a pas vraiment d'études qui a montré une réelle efficacité des cures thermales sur le syndrome de Sézarie.
Alors les cures thermales, bah, c'est sûr que ça peut faire du bien parce qu'on est un peu chouchouté, on part loin de chez soi, loin de son boulot, on est un peu en vacances. Et au final, on ne sait pas si c'est vraiment l'effet de la cure thermale qui est vraiment bénéfique pour le patient ou plutôt le fait d'être loin de son boulot, un peu en vacances et un peu chouchouté. En tout cas, l'effet de l'eau thermale en tant que telle n'a pas vraiment eu une efficacité prouvée dans le syndrome de Sézary et d'ailleurs même dans d'autres maladies de peau, si je ne dis pas de bêtises. Comme on a la peau est irritée quand même, on a déjà vu des patients qui revenaient de cure thermale très très irrités et ce n'est pas le bon traitement. Il y a des traitements du Sézary, les cures thermales ne sont pas un traitement, c'est clair. Ouais. Oui. Bon, pour les cures thermales, je partage bien sûr ce que vient de dire Martine Bagot. C'est vrai qu'on est dans le Sézary souvent face à la problématique du prurite, des démangeaisons qui peuvent être vraiment très difficiles à vivre et pour lesquelles les traitements antihistaminiques classiques ne sont pas efficaces. Alors le traitement de la maladie lui-même peut aider, c'est ça que l'on cherche à faire, mais c'est vrai que parfois il persiste un prurite et là il y a beaucoup de sujets de recherche sur ce point pour accompagner mieux ce prurite et l'améliorer. Et je profite d'avoir la parole pour remercier M. Vélu et M. Deveyrac de leur témoignage que j'ai trouvé vraiment très instructif pour, je pense, tout le monde, mais aussi pour nous, parce que, bon, bien sûr, c'est notre quotidien de parler avec les patients, mais je pense que d'avoir ce récit de vos parcours, de vos histoires, ça fait réfléchir aussi à certaines expériences, à certains autres patients que nous suivons, et de voir comment on pourrait améliorer encore les choses. Et je remercie aussi M. Bouquet pour tout ce qu'il a présenté de l'association, que je trouverais... vraiment majeur, et je pense qu'il faudrait répéter ce type de réunion avec les patients, avec au niveau, bon, bien sûr dans la mesure des possibilités, mais je pense qu'au niveau régional, et de bien faire connaître aussi l'existence pour tous les patients du fait qu'il y a l'association et que c'est très important de pouvoir parler, d'avoir ces informations. L'information, on l'a vu à travers les témoignages, c'est essentiel. Et je trouve que souvent les patients, bah, ils ont une maladie qui est rare et c'est très important de pouvoir en parler entre patients. Moi, ça m'est arrivé de faire rencontrer dans le service certains patients pour justement en parler, et ça a été souvent vraiment quelque chose de très bénéfique. Vous voulez juste vous remercier et dire que oui, c'est bien que vous soigniez la maladie. Moi, j'ai eu la chance aussi d'avoir un autre accompagnement qui était avec une psychodermatologue. Et les deux, finalement, se complètent bien. Et je remercie, bon, j'ai été suivie aussi par le docteur Pomeré, qui avait fait aussi toutes les études et qui partait du fait de bien dans sa peau, bien dans sa tête. Et les deux, finalement, sont liés. Et donc, moi, j'ai eu la chance aussi d'être accompagnée pour que ma tête aille bien. Et pouvoir absorber tous les traitements. J'ai été accompagnée. Et je veux dire que ça m'a aidée. Et je trouve qu'il faut faire le cheminement ensemble. Avec médecins qui soignent le corps, mais il faut la tête aussi. Voilà, c'est juste... N'hésitez pas dans votre association de rajouter un psychiatre. Ça peut être très bien. Le psy dermato est voilà. Bien aussi. Voilà, c'est... Et je remercie tout le monde. Et un hommage aussi au docteur Pomeré qui était très très bien. Oui, merci. Les participants en ligne aussi vous remercient chaleureusement pour cette journée et vos interventions. Bon, en tous les cas, merci à eux d'avoir eu la patience de rester pendant presque 4 heures en ligne. C'est pas facile. On va, je pense que... On va laisser Suzanne, et je traduirai après, nous dire
les mots de conclusion. So Susan, it's your time to conclude. Yes, and you'll have to translate for me, but merci everyone. Thank you all so much for joining us, to the clinicians who gave up of their time and expertise, for all of the people that joined us both online and in person, and for your questions, and for my wonderful partners, Guy Bouguet and Professor Bago, and all of the clinicians. It's wonderful to have been able to provide the program, and we really look forward to doing more collaborative efforts to support all of you as patients in France living with cutaneous lymphoma. So this is just the beginning, and look forward to more events and more information and more collaborations going forward. Thank you all for joining us and taking the time today. So Guy, I'll turn it back over to you and Professor Bago. Thank you. Thank you, Susan. So, ce qu'a dit Suzanne, c'est qu'elle voulait vous remercier tous également d'être venus en présentiel et virtuellement, et surtout les intervenants pour le temps qu'ils donnent, ce temps personnel qu'ils donnent pour les patients aujourd'hui. C'est remarquable. Et puis, la qualité des échanges était là. C'est toujours un plaisir pour elle de participer à des réunions comme celle-ci, de voir les patients qui échangent, qui posent des questions. C'est l'objet de ce qu'on fait. Et puis, elle espère que, en France, on va pouvoir, profiter de ce moment-là pour continuer à être présent sur le terrain et à créer, une relation avec les soignants et avec les patients un peu plus poussée qu'on l'avait jusqu'à aujourd'hui. En tous les cas, voilà, elle vous remercie. Et puis, elle dit à la prochaine, si on a une prochaine réunion. Avant de passer la parole au professeur Bago qui va conclure, parce que c'est le professeur Bago qui conclura, encore une fois, moi, je voudrais remercier tout le monde. Je voudrais insister vraiment sur le fait que c'est bien. Je suis content qu'il y ait eu de la présence physique aujourd'hui. On sait que c'est pas facile. On ne sait pas trop. En plus, étant atteint de lymphome, on est un petit peu immunodéprimé. On ne sait pas trop ce qui est faisable de ce qui n'est pas faisable ou raisonnable. En tous les cas, merci à vous de vous être déplacés. Et puis à tous ceux qui sont connectés en ligne et qui ont posé des questions. L'objet, c'était ça, c'était de poser des questions et puis d'échanger. Puis encore une fois, merci aux soignants pour le boulot que vous faites. Et puis à ce temps que vous donnez aussi. Non, on ne s'en rend pas compte, c'est qu'on vous sollicite. Enfin, moi, je le sais, je sollicite beaucoup les soignants dans des réunions, des comités scientifiques, des questionnements par email ou par téléphone. Et tout le temps, vous êtes là pour répondre et nous accompagner. Merci encore. Merci, Guy. So thanks to Susan. Thanks for being with us during a French-speaking meeting. Really, it's remarkable. Thanks a lot. You are so enthusiastic. So thank you very much. And your support is invaluable, really. So thanks a lot. Merci à Guy d'avoir été un partenaire très réactif pour l'organisation de cette journée. Merci à mes collègues d'avoir bien voulu, après ce congrès international là, qui est déjà très dense, d'avoir bien voulu prolonger le samedi après-midi. Et puis merci à vous tous, ceux qui sont venus, ceux qui étaient connectés en ligne, et puis ceux qui ont témoigné. Là, c'est vraiment un témoignage très, très riche. C'est vrai, très important pour nous tous. Merci à vous. Et puis on espère qu'il y aura d'autres réunions comme ça. Puis de toute façon, les relations entre le GFELC et ELI vont continuer et se développer. Et on espère bien qu'il y aura d'autres journées de ce type. Voilà. Merci beaucoup à tous. Et donc, merci à notre aide technique. Hein, merci à Céline. Et puis merci au monsieur qui fait qui nous permet de résoudre en permanence tous les problèmes techniques. Donc voilà, merci à tous. Et puis, je vous souhaite une bonne fin de week-end. Alors, merci. Merci. Have a great Saturday afternoon, Susan.